Bonsoir à tous. Maintenant que les micros sont on, vous allez pouvoir nous entendre. On était un petit peu en coulisses avec Maxou à vous préparer tout ça. On fait un petit essai pour tout dire en background. On est avec Skype pour que Maxou puisse voir exactement la même chose que moi et la voir en direct et qu'on n'ait pas la latence de la diffusion. Et puis on passe sur YouTube, surtout pour que vous puissiez bénéficier d'une meilleure qualité. Parce que on arrive à avoir un flux normalement un petit peu plus élevé que sur Twitch où il faut payer pour qu'on puisse vous proposer une qualité adaptée à votre usage. Mais enfin, tout ça, vous le savez déjà. On va rentrer dans le vif du sujet et merci Maxou d'être avec moi. Bah de rien, écoute, c'est avec plaisir que je découvre ce Motorsport Manager. Alors en fait, c'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai encore rien fait, rien vu pour le coup. Donc là, c'est vraiment une découverte que tu vas me proposer et on va voir un petit peu avec le chat, voir un peu ce que ça donne. Je découvre le menu, évidemment, j'imagine comme tout le monde, et ça a l'air plutôt complet. Donc je ne sais pas où tu vas nous emmener pour débuter un peu cette découverte, mais Bon, je te laisse me guider. on va continuer ma partie, hein. De toute façon, les trois principaux trucs qu'on voit ici, donc ici, là, on a la nouvelle carrière. Donc là, vous allez devoir gérer une écurie de A à Z en commençant par. Alors, c'est assez rigolo parce que on a tout de suite des voitures qui ressemblent à des F1, mais on a trois niveaux de championnat. Tu vois, on a le European Racing ici, Super Cup et World Motorsport qui est vraiment le championnat FIA de Formule 1. Alors, quand je dis FIA, déjà, tu vois nulle part qu'il y a écrit FIA. On est sur une version qui est Alpha, on voit la build là en bas. Et c'est pas une version licenciée. On est un petit peu comme au début de PES, si tu veux, c'est-à-dire qu'ils ont Oui, c'est ce que pas. j'allais dire, oui, c'est un peu à Voilà. la PES. Ouais. Bah, ils peuvent pas payer encore les noms. Alors, il faut savoir que c'est un petit studio, hein. Ils sont une quinzaine à le développer. Sega les a rejoints pour les éditer parce qu'ils ont vu que bah, ça bossait bien. Et salut Andy, salut Silcite, Oui, bienvenue. bonsoir. On salue tout le monde, c'est cool que vous soyez Bonsoir là. le chat. Ouais, et donc Sega a mis des billes dedans parce qu'ils ont déjà vu une application mobile qui existe sur Android et iOS, qui est beaucoup plus simple que ça, hein. Là, c'est vraiment on a une version un petit peu grandie de tout ça Ça me rappelle un et peu le cas approfondie. de Plague INC. Je sais pas si tu connais ce Ah jeu. non, non, non. Plague Ah si, INC, en Plague, fait, si, tout à fait, tu as raison, oui. oui. Je le prononce peut-être mal, mais c'est un jeu auquel j'avais joué beaucoup sur mobile et beaucoup sur PC. Je m'amusais à créer En fait, c'était un jeu où vous deviez annihiler l'humanité avec différents bactéries, champignons, etc. Et c'est très addictif. Et Ah, on a Sébule avec nous aussi. Bienvenue, il Sébule. avait réussi la transition du mobile au PC. Donc peut-être que ici, ce sera aussi bien parti. Surtout si, comme tu dis, Sega a mis un petit peu le budget. Mais je crois que si j'ai bien lu les informations, c'est toujours à la liberté des développeurs. Sega n'intervient que financièrement, je pense, à ce Tout à niveau-là. fait, c'est un soutien financier et de distribution également. Voilà, mais ça D'accord. montre que bon, normalement il y a quelque chose derrière. Alors, donc la carrière, on en a parlé brièvement avec ces trois niveaux. On a un challenge. Alors les challenges, ça peut être par exemple ne pas pouvoir changer les pneus ou alors ne pas pouvoir faire d'arrêt au stand pour l'essence. Enfin, il y a des restrictions qui te rajoutent une contrainte de gameplay. Et puis là, c'est juste gérer une course, puisqu'il y a deux grandes parties en fait d'un Motorsport Manager. Tu as tout le management en background et puis en plus la stratégie de course qu'il faut gérer. Alors, on va faire comme si on continuait mon championnat. Donc pour l'instant, pas de musique, hein. Il n'y a pas de fond sonore, ça c'est normal. On est toujours sur On sera un. pas embêté par les droits d'auteur. Voilà, et puis on n'est pas sur une alpha. On est sur une alpha. Alors Oui, évidemment. j'ai monté le son dans les paramètres tout à l'heure à fond, parce que sur le précédent live que j'avais fait. Ah bah on a un fan sur la version mobile et tablette, tiens. Oui, Andy. Andy Wheeler, que je connais bien, que je retrouverai ce samedi pour un petit championnat qui gérera sa première course sur un championnat Race Room, tiens, au passage. Voilà, alors ça c'est l'écran d'accueil. Donc il y a déjà pas mal de choses, tu vois. Ah, J'aime beaucoup. le nom de ton deuxième pilote norvégien est formidable. Exactement, je pense qu'ils se sont fait plaisir justement en Mon Dieu. alpha pour mettre des noms. Ouais, c'est imprononçable ce truc-là. Ouais. Je pense qu'il y a avoir du private joke là en dessous. Oh, Donc mes deux peut-être. pilotes, en sachant que j'ai un pilote de réserve. Et chacun, tu vois, quand je vais dessus, a des caractéristiques. Et ces caractéristiques évoluent au fil des courses. Ils deviennent meilleurs. Forcément, hein, ils apprennent à connaître les circuits, ils gagnent en expérience, etc. Mais ils ont des paramètres qui ensuite peuvent t'orienter dans la gestion de ton équipe. Tu vois, là, lui, il est plutôt performant, mais il manque de régularité. Ouais, je vois ça être concentration aussi. Ouais, prise de virage, donc sur les circuits qui sont lents, il sera plus performant que sur les circuits rapides. Ça peut aussi influer ton choix quant au premier ou au deuxième pilote. Par exemple, celui que tu vas auquel tu vas demander d'attaquer le plus, eh ben, c'est forcément celui qui est le plus performant sur ce circuit-là, tu vois. Parce qu'après, on peut leur donner des ordres. On verra ça plus tard.
Lui, il n'est pas très régulier, il peut manquer de concentration. Donc, s'il est pris dans un peloton, ça peut être une situation qui ne lui plaît pas trop. Ça va peut-être être le moment de le faire rentrer au stand, par exemple, tu vois. D'accord. Ensuite, dépassement, en même temps, il a d'assez Il bonnes est plutôt compétences. bon, oui. Il est plutôt bon, tu vois. Donc, bon. Voilà, Ça se contredit un petit peu, à ouais. toi de faire la balance, en fait, entre les deux. L'autre est plus homogène. Ouais, je vois Sergio ça, Arabeola. Je te vois déjà réfléchir à changer le nom des pilotes. oui. Comme si. Avec un nom un peu hispanique. Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai plus oui, un Maldonado qui me ressort un petit peu, mais ça, c'est. Alors, ça, c'est mon boss, en fait. Moi, je suis le manager de l'équipe, mais le PDG, il est là. Hein. D'accord, c'est Et le Marchionne de ton équipe, ouais, c'est là. ça. Et tu vois ici une barre en fait de contentement. De Voilà. satisfaction, Alors, ouais. insatisfait, très content. Là pour l'instant, mon job court un risque. Tu vois? Ah. Mais IRL ou non, ça va, c'est dans le jeu, Non, ça. IRL non. Ah, IRL ça va. ça va. IRL ça le fait. Et quelque chose que je remarque assez intéressant, c'est que tu dis que ton deuxième pilote, le Norvégien au nom très prononçable, Ouais. est moins homogène que l'autre, mais pourtant il est premier, je crois. Donc je sais pas si c'est premier pilote ou si c'est premier au classement du Alors, championnat. il est premier au classement, Ah oui, je vois à effectivement. droite maintenant. Il est premier au classement des pilotes, effectivement. Ça, c'est le jeu des courses, si tu veux. Et il est susceptible de me rater complètement une course, je pense, tu vois, avec ses soucis de régularité et de concentration. Si ça se trouve, il va planter la voiture et il sera plus enclin à la faire abandonner. D'accord. Ça, c'est la chose qui semblait émerger un petit peu de ce que j'ai joué jusque-là. Je dois avoir 3-4 heures de jeu, hein, pour l'instant, ce qui n'est pas grand-chose. Et puis tu vois, tu as le salaire aussi en bas et la durée du contrat. Les contrats vont se D'accord. renégocier généralement à la hausse. Et parfois, ça peut être le moment d'essayer d'engager un autre pilote qui coûtera moins cher et qui sera au moins aussi performant. Voilà. Alors pour le job, ça se comprend assez aisément. Quand j'ai commencé, j'étais encore un petit cran plus à gauche, là, tu vois. Et là, il est assez Besoin de content faire tes puisque preuves. bah, il est assez content parce que j'ai quand même mes deux pilotes dans le top 3 au classement général. Hein, ce que Oui. je n'espérais pas. Donc, Je vois ça. pour l'instant, on y est. Là, tu as des statistiques d'équipe. Alors, la voiture. Tu as la moyenne, en fait, du championnat. Le meilleur D'accord. sur la grille, c'est moi, c'est Eastwood Motorsport. Tu D'accord. Tu vois? peux choisir le nom de ton équipe ou Tu pourras le tu... choisir parce que tu peux le faire sur la version mobile. D'accord. Alors, Zoltan, pour l'instant, je n'ai vu que la F1. Et comme je le disais, c'est de la F1 sur trois championnats. Ça ressemble même à une GP2 d'esthétique, un petit peu la voiture sur la gauche. Ouais, je ne sais pas si elle change tellement les trois. Il faudra que je regarde sur les courses après. Donc ça te permet en fait de situer ton équipe par rapport au niveau du reste du plateau, tu vois. Je sais D'accord. qu'au niveau des pilotes, je suis la pire équipe. Oui, je vois Je suis ça, le oui. très mauvais pilote, par contre j'ai une excellente voiture, j'ai la meilleure voiture du plateau. Donc il faudra que je pense à changer mes pilotes sans doute. Ça c'est Headquarters, c'est mon quartier général, et puis on va Oui. aller voir tous les bureaux. L'usine, finalement, oui. Exactement l'usine avec tous les bâtiments qui vont la faire évoluer. Mon équipe, hein, le staff, et puis Staff. les sponsors, puisque Oui, faut bien financer tout ça. Exactement. Alors, est-ce que justement tes sponsors font évoluer par exemple la livrée de la voiture, les couleurs de ton équipe? Tout à fait. Ok, Alors ça on va c'est aller voir pas ça, mal. tiens, puisque tu en parles. Les sponsors, c'est le... Alors sous les onglets en bas, tu as l'ensemble en fait des paramètres qui sont accessibles. D'accord, donc je Alors les vois. sponsors, donc ici, tu as le nombre de courses pendant lesquelles ils vont encore être actifs. Et tu vois, à chaque fois que je vais sur un sponsor, là, ça bouge sur la voiture et je vais à l'endroit où le sponsor est affiché. Alors, pour ne pas te mentir, j'ai un petit délai que nous propose Skype. Skype. Donc, j'espère que ça va revenir. Mais pour l'instant, j'ai un petit peu des hachures dans les écrans que tu me passes. Et effectivement, j'ai en retour sur YouTube un statut de connexion qui est mauvais, alors que pourtant, normalement, je n'ai rien qui stream. Et j'ai terminé mon upload fatidique de début de live. Donc, ça devait être mieux. C'est peut-être pire. Ah, ça y est, ça revient un petit peu. J'ai un demi-écran, mais ça reste. Alors si vous aussi sur le chat vous avez des soucis, vous me le dites. Effectivement, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des soucis. Et maintenant, c'est difficile de savoir si c'est YouTube Ou si c'est la ou si diffusion. c'est la diffusion. Je vois le délai maintenant qu'il y a sur YouTube. A priori, sur le retour que j'ai moi, c'est à peu près correct. Hein. Après, sur Skype, c'est peut-être autre chose. Est-ce que sur Skype, tu as toujours le délai ou ça va mieux? Sur Skype, j'ai toujours des hachures, mais je peux aller jeter un coup d'œil directement sur le retour du live avec D'accord. Et le un retour de petit live est meilleur délai. que Skype. Alors, son pire que Skype, je pense que c'est pas possible. Voilà, oui, là je vois l'écran, mais je vais mettre dans une qualité haute que le 144p parce que j'aimerais voir ce que tu me montres quand même. Voilà.
Voilà, tout est résolu. J'ai de quoi suivre maintenant via le live YouTube, sans problème. Voilà, alors quand je vais sur un sponsor, ça se met sur le sponsor, l'endroit où il se trouve sur la voiture. Mm-hmm. Le statut du sponsor, là, il n'y a qu'une seule étoile, donc ce n'est pas un sponsor qui est très riche et qui me donne beaucoup d'argent. Néanmoins, tu as la marketability au-dessus en haut à gauche. Là, ça c'est en fait comment je suis bankable hein, pour les sponsors, ouais. Et comment je les attire. Évidemment, plus ce chiffre là est élevé, plus je vais avoir de propositions intéressantes. Je sais que là, j'ai 6 courses que je peux faire avec ce sponsor là. Ici, avec celui-ci, Sangju, c'est 4 et Big Doff, ici, c'est 2 courses. Et donc, tu peux perdre un sponsor en pleine saison alors. Alors, tu le perds pas en fait, tu le perds systématiquement. C'est-à-dire qu'au bout de 4 courses, le sponsor va s'en aller et je vais voir s'il me renouvelle une proposition ou si je vais en utiliser d'autres. Donc, tu n'as pas une voiture en fait qui va garder les mêmes sponsors pendant toute la saison. D'accord. Mais elle va garder le même aspect extérieur. Mais je pense qu'on pourra changer les couleurs et ce genre de choses aussi. D'accord. Et tu vois, il y a deux types de sponsors. Il y a à gauche les Race Bonuses Sponsors et sur le côté droit, j'ai les Fixed Payment Sponsors. Donc, ceux-là, les paiements fixes, c'est ceux qui vont me donner l'argent que je vais avoir de toute façon, de façon systématique. Et par contre, pour les race bonuses, à chaque course, je vais choisir un des trois sponsors et un des trois objectifs qu'ils me proposent. Donc, ça peut être faire une pole, terminer dans les trois premiers ou terminer dans les 10 premiers, par exemple. D'accord. Avec évidemment une somme d'argent qui sera différente en fonction de ça. Je me rappelle de ça, notamment dans le premier grid, où selon tes performances en course, tu avais des sponsors qui te donnaient plus ou moins de revenus pour acheter des voitures. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Voilà pour les sponsors, quoi. Ok, bah c'est pas mal pour le coup, hein. C'est assez complet. Alors, est-ce que tu as déjà déçu un sponsor? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'en va ou est-ce que... Il ne te paye pas. Il ne te paye pas, tout c'est-à-dire simplement. Les sponsors qui donnent des revenus fixes te donnent tout le temps des sous. Quel que soit ton résultat. Ouais. Ok. Donc, sponsors, ça c'est fait. On les voyait un petit peu ici en dernier. On va aller voir un petit peu les bâtiments. Donc ça, c'est mes usines. Est-ce que c'est revenu sur Skype ou est-ce que j'enlève carrément le flux comme ça, on profite d'un upload Oui, j'ai ton usine, oui, en partie, mais je l'ai entre le délai du chat, entre le délai de YouTube et de et de Skype, j'arrive à m'en sortir. Non, je vois la un peu ce que la qualité YouTube s'est énormément améliorée. Maintenant, j'ai de nouveau du vert sur la qualité de mon flux YouTube. Va comprendre, Charles. Bref, voici donc mes différents bâtiments et tu le vois à droite, ça va influer sur la qualité des pièces que je vais installer sur ma voiture. D'accord. Et sur leur fiabilité. Oui. Donc, tu vois, là, on a l'aileron avant, l'aileron arrière, la boîte de vitesse, le moteur, les freins et les suspensions. Là, je suis dans une moyenne qui est plutôt bonne. Et si je rajoute, j'ai un centre de télémétrie là qui est en construction, et bien lui, en construction, va m'améliorer ensuite ma transmission, par exemple. Donc, d'accord. J'aurai une transmission qui sera plus performante. Ok. Donc, ça, c'est le côté. Le côté usine, et tout ce que j'ai en work in progress est ici. D'ailleurs, tu vois, le centre de télémétrie est en train de se construire. J'ai des pièces qui sont en train d'être en recherche d'amélioration de performance. Par contre, pour la fiabilité, j'ai tout mis en recherche pour l'instant pour la perf. Et pour la fiabilité, j'ai personne pour l'instant. C'est relativement D'accord. important. Tu vas comprendre après pourquoi en course. Et je pense qu'il faudra que je balance ça un peu mieux. Mm-hmm. Ensuite... Alors au niveau des améliorations, est-ce que tu dois engager du personnel pour développer des éléments ou parce que j'ai pas vu de centre de recrutement de humain, on va dire. Alors tout à fait au niveau de l'écurie. Ah voilà. Tu as les pilotes ici. Tu as un concepteur en chef qui lui aussi a un contrat et qui va influer sur la qualité de ta voiture. Et des mécaniques. Tu ressembles à Alain Prost dans ses plus belles années, Prost Grand Prix d'ailleurs. Effectivement, avec lunettes. Avec des belles lunettes. Bon, il est un petit peu moins touffu au niveau de la chevelure. C'est vrai. Mais... Il a autant de cheveux gris, on lui en a donné autant à l'époque. Et puis tu as des mécanos. Alors chaque pilote a son mécano un peu attitré. Et d'accord. Ils apprennent à se connaître, ils fonctionnent de mieux en mieux et donc les performances augmentent aussi à chaque course. D'accord. Tu verras ça après la course. Okay. Quartier général, on l'a déjà vu, on y revient. Oui. Il y a des infos qui sont redondantes, tu vois, par rapport au. Oui, je vois. Oui. Au home, mais bon. Le siège, on l'a déjà vu, c'est ici. L'écurie, on en vient tout juste. On va passer au mail. Alors ça, c'est c'est un petit peu tout le metagaming avec les informations du jeu. Elle a fini les réparations, ça c'est l'avancée dans le calendrier, puisque les pièces que tu as utilisées pendant la course s'usent. Donc les mécanos, après une course, vont réparer les pièces. Alors, je ne suis pas certain que ça se passe comme ça dans la réalité, mais en tout cas, il y a du boulot sur la voiture entre les courses, ça c'est sûr. Mm-hmm.
Tu as quoi? Alors ça, c'était la victoire de la dernière course. Donc, t'as des commentaires, soit des journalistes, soit des politiques. Tu vois, à gauche, tu as Oui, je médias. regarde un peu les onglets, oui. Voilà, médias, la presse, là, les politiques assistants, les pilotes. Alors parfois, tu as des pilotes aussi qui, à un moment, m'ont dit l'autre pilote se comporte comme un abruti, je peux pas travailler avec lui. Il faudra parfois aussi que tu gères les relations entre les pilotes parce qu'ils sont plus ou moins compatibles entre eux, tu vois. D'accord. Est-ce que tu as une influence sur ce que tu dis à la presse par rapport à ton équipe, du style, un pilote dit, voilà, la voiture était nulle cette course-ci, c'est la faute de Ouais. l'équipe ou... Ah, très bonne remarque, et effectivement, oui, tu as en tant que manager une influence avec les médias. Tu as des interviews qui sont là de temps en temps, pendant que le calendrier avance. On en aura peut-être une tout à l'heure d'ailleurs. Et tu vas laisser tes pilotes aller à des interviews ou pas d'ailleurs. Donc, ça c'était le cas aussi sur la version mobile où tu pouvais augmenter la popularité des pilotes, mais tu baissais peut-être leur performance parce que bah, au lieu de s'entraîner et puis de bosser, ils allaient discuter sur des plateaux de télé. Ouais, répartition du temps différent, donc performance, etc. Mais plus ou moins Exactement. aimé. Et D'accord. tu Ouais, peux c'est plutôt également, complet. l'autre truc qui est vachement sympa, c'est que tu peux influer sur le règlement des courses qui peut Ah. évoluer. Et on te dit, bah voilà, est-ce que vous voulez swapper pour la prochaine saison ce circuit pour celui-là? Et toi, quand tu sais que tu as une voiture et des pilotes qui sont plutôt pour des circuits lents ou rapides, par exemple, tu vois, ça peut influer. Et D'accord. quand j'étais à Cologne, le développeur m'a dit qu'on pourra même éventuellement verser des pots de vin à d'autres écuries pour qu'ils votent dans ton sens. Alors on salue évidemment Jos Verstappen qui va avant chaque course mettre une petite mallette sur le bureau de Charlie Whiting hein, pour que Max puisse faire ce qu'il veut en piste sans être embêté. Non mais outre la blague c'est assez intéressant de voir que même le côté vicieux qui peut exister malheureusement dans ce sport comme dans beaucoup d'autres bah, est implémenté. Bon ça doit être je pense un peu plus dans le côté humoristique, dans le côté décalé aussi. C'est un Alors, il y a le jeu, côté faut pas l'oublier, humoristique mais... et décalé, certes, mais tu as aussi une option qui n'est pas encore dedans, mais là encore, le développeur m'en a parlé, c'est que tu pourras également faire en sorte que ta voiture soit plus performante en t'approchant des limites autorisées au niveau du règlement pour la voiture. Ah, d'accord. Et à Donc la tu fin de peux chaque frôler. course, ouais, tu peux frôler ou tu peux augmenter comme ça un pourcentage de performance et un risque ensuite que tu prends par rapport au règlement. Et à la fin de chaque course, bah, tu sais que les voitures passent à la pesée, sont Et vérifiées contrôle, par les effectivement, ouais. commissaires, il y a des contrôles et à la fin de la course, il y a un contrôle et te dit contrôle passé ou contrôle raté. D'accord, et c'est aléatoire pour savoir si tu es ou non contrôlé. Donc Eh tu peux prendre bien, une course ah et non, t'es contrôlé. Là, pour l'instant, j'ai quoi été qu'il arrive. contrôlé à la fin de chaque course. D'accord. Mais j'ai pas encore d'option pour essayer de tricher. Donc de toute façon, ça passe toujours. Hein. Là, on D'accord. est passé sur l'écran des pilotes. Donc tu vois que là, j'en ai Oui. 3. Il y a mes 2 pilotes qui sont engagés et j'ai encore un pilote de réserve ici, qui lui est globalement, avec les étoiles, ne semble pas trop loin de ses homologues, mais pourtant a des performances qui sont bien en dessous d'eux. Alors lui ou elle? J'ai un petit Shanky, doute. t'as raison d'avoir un doute parce qu'elle a effectivement un visage plutôt féminin. Oui, ou alors il est très jeune, mais bon. C'est Shanky, bah effectivement, elle a 18 ans, mais bon. Ouais. À 18 ans, j'avais un petit peu de poil au menton quand même. Alors là, je suis allé dans l'onglet recrutement, tu vois, donc on a des pilotes, des Et... ingénieurs et des mécanos. D'accord. Et donc Mécano, ici. ce n'est qu'un seul. Tu n'as qu'un chef mécanicien attribué en mécano. Tu ne dois pas gérer toute l'équipe, Non, tout le il y avait, crew alors pas complet. toute l'équipe, mais il y a 2 mécanos quand même. Il y a un mécano par pilote. Tu D'accord, disais ok, tout à l'heure, ouais. tu sais qu'ils apprennent à C'était les deux travailler qu'on a en vus, couple. voilà. Ouais, ils apprennent à travailler en couple avec leur pilote et leur relation s'améliore au fil des courses. Et ici, on a tous les pilotes qui sont sur le plateau. Donc là, évidemment, pas avec les noms des vrais pilotes, en tout cas pour l'instant. J'espère qu'il ne m'a pas répondu de façon très directe, en fait, quand j'ai discuté avec lui à la Gamescom. J'espère qu'on pourra changer le nom des pilotes, tu vois, et des écuries, et puis qu'on pourra se faire un truc plus cohérent. Parce que, évidemment, quand tu Oui. regardes un petit peu les pilotes de plus près, tu te rends compte que ça correspond évidemment au plateau et que tu pourras les Ils attendent la identifier. licence, quoi. Je pense. Ils attendent la licence, je pense pas qu'il l'ait tout de suite, mais ce serait bien qu'on puisse éditer les données, et puis comme ça. Un peu à la Pro Cycling où tu as des packs complets de noms qui existent de maillots. Là, ce serait bien d'avoir effectivement un pack. Bah, le modding sur PC permet beaucoup de choses, donc Salut Zoltan, merci d'être passé. je pense qu'avec le modding, tu vas avoir des vrais noms, des vrais pilotes, des vrais Sans sponsors doute. qui Ah, vont et un petit peu sûrement comme arriver. PES aussi au début, hein, c'est pareil, hein, tous les Oui. joueurs faisaient eux-mêmes les équipes, et puis voilà, quoi. Donc là, tu vois, tu peux. T'as des pilotes que tu peux monitorer, tu peux vérifier un petit peu leur Alors oui, est-ce que tu performance. peux, comme par exemple dans FIFA où tu as des jeunes que tu envoies un petit peu
tu envoies des managers lorgnés sur des petits jeunes. Est-ce que là, tu as des jeunes qui sortent du lot dans le pot de pilote du style, ah, celui-là, il a fait quelque chose de bien. Est-ce que ça t'intéresserait d'aller jeter un œil chez celui-là plutôt qu'un autre, ou tu n'as pas de... Oui, parce que quand j'en choisis un, allez, on va aller chez Darian Frichet, là, on clique dessus et on voit ses stats. D'accord. On voit la façon dont il est censé... Alors, tu vois, là, il est plutôt en phase régressive, lui, au niveau des performances. Oui. On voit... Et il a surtout 53 ans, ce qui expliquerait un petit peu le déclin du garçon. C'est un vieux pilote, donc il est sûrement très fiable. Il a beaucoup d'expérience de course. Tu peux comparer avec d'autres pilotes. Tu vois, tu as plein d'écrans. Alors, on ne va pas rentrer. D'accord. Là. C'est pas très, très agréable. Mais alors, il a des bonus, tu vois, à fond là, qui se retire la zone rouge de l'état de la voiture. Donc, ta voiture peut rouler plus longtemps. Ça, c'est pour l'usure. Les pneus maxi pluie s'usent plus rapidement, par contre. Donc il a des bonus, tu vois, qui sont variables. T'as plein de choses, on va pas passer en détail dessus, mais t'as énormément de choses pour pouvoir manager ton équipe. Il est assez âgé, effectivement. Et tu as tout son pédigré, tout son cursus ici, tu vois, t'as toute sa carrière. Ouais, je vois ça, ouais. Commencé en 86. Voilà. CS course, il a fait toutes les saisons, pas beaucoup de podiums, hein. Il a pas un palmarès très étoffé, ce monsieur. Non. Et il a rien foutu du tout. Ouais. Il a rien gagné. Il a payé son baquet. Comme Maldonado. Faut changer son nom. Voilà. Alors, il a un peu le look aussi. Les finances, évidemment. Ah, donc, dès que tu parles de finances, il y a ton patron qui te regarde sur le côté. Voilà. Et tu vois là un petit peu l'évolution de mes finances, là en bas. La balance de tout ça, avec les salaires des mécanos, des pilotes. Et ce que j'ai rentré, en fait, au départ, ce que je rentre par les sponsors, et puis alors je peux zoomer dessus, tu vois, sponsor per race payment, ça c'est parce que j'ai réussi mes objectifs pendant les courses, et ça je crois que c'est le systématique. Bon, ça te permettra de faire ta balance. Les sponsors, on y est déjà allé. Le classement, oui, ça porte bien son nom. Le calendrier, voilà. Alors évidemment, hein, tu as juste les pays, Munich, Singapour, Yokohama. Bon, on se doute que tout ça évidemment correspond au tracé. Alors, au niveau des tracés que tu as eu pour l'instant, est-ce que tu as des dessins qui ressemblent à des vrais circuits ou la pas? La réponse est oui. tant mieux. Alors, tu vois, je continue. Là, il simule toutes les courses qui font partie d'autres championnats, le cas échéant. D'accord. Donc là, on est sur le World Motorsport Championship, donc c'est pas ce qui me concerne moi. Mm-hmm. Donc, on va continuer, on va avancer. Pour l'instant, il n'y a rien à changer. Et hop, Performance Workdown. Donc là, j'ai un mail qui m'informe que travaux de performance à l'usine sont terminés. Alors, ça veut dire quoi? Ma télémétrie, c'est fini, et normalement, c'est sur la voiture que ça change. Working, no work in progress sur les pièces. J'ai pas de pièces. Alors, les pièces qui sont designées, qui sont en évolution, tu vois, je peux les installer ici. Par exemple, mes deux pilotes sont contents. Mm-hmm. De la voiture, et je peux, au niveau de la transmission par exemple, alors la frein, moteur, transmission, décider d'installer sur une voiture la transmission originale ou de mettre une transmission que j'ai développée qui est plus performante. Celle-ci ira au pilote qui a ici. Colonne de droite, c'est le pilote, c'est Eda, et colonne de gauche, c'est Sergio. Et tu vois, j'ai évidemment pas tout donné à un seul pilote. Si je retire une pièce, tiens par exemple, je vais remettre la transmission originale à Eda. Il risque de... Voilà. Du coup, si je lui remets la bonne pièce, il est content. Et j'ai une balance de ma voiture un petit peu entre fiabilité et performance et entre les deux voitures ici, dans tous les domaines en fait. Mm-hmm. Ça me permet d'avoir un œil averti et tout de suite... Salut Morgane, bienvenue. D'avoir un œil tout de suite sur ce qui se passe ici. Voilà. Donc tu peux adapter le comportement et l'évolution de la voiture en fonction des capacités du pilote. Par exemple, un pilote qui est plus à l'aise sur les circuits lents, tu peux lui mettre plus d'appui, plus de... Non, c'est... D'accord, ok. Un pilote qui est plus rapide, je suppose que tu lui mets plus de moteur, tu fais plus attention à... À voir, c'est vraiment des expérimentations que j'ai pas faites, mais effectivement, c'est des raisonnements que tu vas devoir avoir dans ta gestion d'équipe. D'accord. On va continuer. Milan, je crois que c'est toujours pas ma catégorie. Et là, il se passe que mon siège... Voilà. On sent de télémétrie. Ouais. Non, encore 6 semaines. Continuer à avancer. Asia Pacific Super Cup. Donc là, c'est de la simulation toujours, puisque c'est toujours pas ma catégorie.
Alors, est-ce que des pilotes qui évoluent dans la catégorie Asia ou Euro peuvent, dans les saisons qui suivent, j'imagine, monter en World ou c'est vraiment aléatoire la génération des J'ai noms, l'impression que etc.? ça bouge puisque tu as vu quand on a regardé, si on regarde l'historique d'un pilote, on va y On voit retourner. les années qu'il a faites, justement, voilà, dans Ouais, les dans le catégories recrutement. inférieures. Darion Frichet, donc ça c'est notre vieux à 49, 56, ça, on en rêve hein, de pilotes de F1 qui finissent à 56 ans. Alors, on va descendre un peu. Tiens, on peut peut-être les classer. Voilà, je peux les classer par âge. Là, tu as 12 ans, un certain néerlandais qui. Ouais. Vogelstein. Alors, on va regarder Luther White par exemple. Tac. Tu vois, lui, c'est un genou. Alors, c'est vraiment un novice. Ouais, il a encore rien fait, ou quasiment rien. On va retourner au recrutement. On va prendre des plus moustachus. Hop, lui. Il a commencé en Panthère, en Mercury Racing, Panthère. Lui, il a été toujours en World apparemment, tu vois. Maintenant, comme ce sont des pilotes qui sont disponibles en recrutement, il n'est pas exclu. Lui, par exemple, je pourrais essayer de le débaucher, tu vois. Tu le sors de sa retraite, comme on a pu voir par le Ouais. passé. Alors lui, il a un contrat qui dure encore 55 mois, donc il faut que je choisisse aussi des pilotes, je suppose, qui ont des contrats qui vont se terminer On pas est trop sous peu. tard. Je peux choisir les tranches d'âge. Alors ça, c'est un mécanicien en revanche. Tiens, je vais aller voir les pilotes. Ah, ça doit être un petit bug, parce que ça m'étonnerait que... Voilà, Hall. Tous les pilotes. Jean-François Machin. Les habilités spécifiques. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Il y a encore des choses qui vont évoluer, tu vois. Je vois, ouais, y a encore pas mal de coins à remplir, c'est pas mal. Alors, nous y voilà. Singapour. Ce tracé ne me parle pas. Alors, Ça au niveau pourrait du être quoi? dessin, moi je veux une partie de Détroit, dans la partie gauche, les S de Détroit. Ouais. Vraiment à l'ancienne, hein, Peut-être désolé, que mais. ça va parler à des gens sur le chat. On verra. Oui. Donc là, on est sur la pré-course. Ça, c'est le tableau où je vais choisir en fait mon objectif. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a trois sponsors et je vais essayer d'en contenter un. D'accord. Objectif de qualification et de course, 14e ou mieux, 9e ou mieux, second ou mieux. Dans la mesure où j'ai gagné la dernière course, on va dire que on va prendre le risque. Voilà. Tac. Alors, part fitting, ici, on peut toujours s'amuser à changer les pièces. Puisque si... Pendant le week-end, tu peux? Pendant le week-end, tu peux plus, non. Tu le fais D'accord. avant. Mais ça peut être important parce que tu peux décider, quand tu as pas mal de pièces à disposition, de donner plutôt la priorité à des pièces aérodynamiques ou à des pièces mécaniques. Si tu es Oui. sur un circuit rapide, tu vas probablement donner la préférence au moteur, à la transmission et aux ailerons si tu es sur un circuit où tu as besoin de beaucoup d'appui. Alors, on va passer enfin à quelque chose d'un peu plus graphique. Là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Race. Et là, on va commencer le week-end de course. Une jolie animation, toujours sans son. Ça fait Alors, bizarre. T'as envie de oui, rajouter une le. musique, de te fredonner. Oui, c'est ça. Problème, c'est que si on rajoute une musique, il faut la choisir correctement, sinon on risque de se faire strike, hein. Parce que voilà, même si on est sur YouTube Gaming. Bon, on a de la chance quand même d'avoir un jeu en alpha comme ça. C'est pas souvent, surtout avec Non, des c'est vrai. éditeurs qui sont connus, il y a souvent des restrictions. Et là, les développeurs m'ont dit, vous pouvez y aller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je croyais qu'il faisait soleil, pourquoi il pleut? Ah bah Les parce que ça prévisions peuvent change se tout le temps, tromper. ça change tout le temps les prévisions météo. Alors nous y voilà. Quels sont les pilotes qui vont rouler? Alors track confidence, il y en a qui se sentent plus en confiance que d'autres hein, sur certains circuits. Tu vois Alors, lui, il je est... vois que tu peux sélectionner justement ton pilote, donc tu peux titulariser un troisième C'est pilote. ça, j'ai la pilote de réserve, la Shenki, c'est ma pilote de réserve. Et tu vois, tu as un indice de confiance par rapport au circuit. Il y a des pilotes qui aiment des circuits, d'autres moins, ça tout le monde Bien le sûr, sait, hein, qui apprécient. Et par exemple, elle est quand même un petit peu en dessous au niveau des perfs, donc je vais pas la faire rouler. Mais si elle avait des performances équivalentes à Eda, je l'aurais plutôt choisi elle, puisqu'elle a un indice de confiance supérieur. oui. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on a ça. Pour l'instant, ce sont les essais, hein. Alors, continue. Ici, on va partir en quoi? Les conditions météo sont là-haut. Donc, il va pleuvoir, il va continuer à pleuvoir encore pendant les 10 prochaines minutes. L'humidité, l'eau sur la piste, ça va être ça, tu vois, ça va augmenter encore un petit peu.
il va être plus humide hein, puisque la pluie continue. Et évidemment, puisqu'il pleut, il ne va pas y avoir de gomme sur la ça piste. Ça n'a pas puisque, beaucoup gommé, effectivement. Voilà, l'état de grip de la piste va changer, hein, puisque plus tu as de voiture qui va passer, plus la piste va devenir rapide. Si elle était sèche, là c'est pas le cas, et donc elle est rincée tout le temps, elle ne deviendra pas plus rapide. Alors là, on a un souci, puisque les pneus, là, on a du super soft d'un côté, du soft de l'autre, ça ne va pas le faire du tout. Alors tout est dispo au niveau des gommes, tu as soft, super soft, medium, hard, intermédiaire, pluie, si j'ai bonne mémoire. Oui, alors le problème c'est que... Alors ça aussi ça fait partie des points de... des points de règlement sur lesquels tu pourras voter. D'accord. Parce que tu peux décider de n'avoir qu'un seul manufacturier de pneus ou plusieurs et que des types de gommes qui soient un petit peu limités. D'accord. Alors, car c'est pour regarder la première. On n'a aucune connaissance sur le comportement de la voiture sur cette piste, ou peu de connaissances, on n'a pas roulé dessus encore. Mm-hmm. Ensuite, tu peux changer. Là, tu as, ça, c'est les paramètres que tu vas voir. Et j'ai pas de feedback du pilote, tu vois. Le pilote va me dire la voiture se comporte bien, pas bien, etc. En fonction de ce que je vais régler ici, tu vois, si j'augmente mon appui. D'accord, oui, ça va influer sur le... Et il te donne des retours chaque fois qu'il revient d'un run en piste ou à chaque fin de séance ? Ah, il te donne des retours à chaque fois qu'il a tourné. Alors, pour D'accord. le moment, le temps d'essai est, je pense, mal balancé parce que j'ai à peine le temps de faire 3 ou 4 tours. Oui, t'as 10 minutes, je crois. Ouais. Enfin, c'est 10 minutes, mais le temps est accéléré dans le jeu, donc c'est très... Enfin, tu me diras 10 minutes, effectivement, c'est 3 ou 4 tours. Hein. Pas plus. Enfin, 3 ou 4 tours rapides en fonction du temps de sortie. Je suppose que tu as les tours de sortie à chaque fois, mettre la voiture en température. Enfin, je sais pas. Mais... Ouais, tu as un tour de sortie, tu as un tour chronométré, puis un tour d'entrée, effectivement. D'accord. Alors, on va essayer de mettre un peu plus d'appui sur cette piste. Ouais, beaucoup de courbes, beaucoup de virages lents. Ouais, pas trop. Enfin, il y a de la ligne droite, mais ça a pas l'air d'être le plus important. Éviter le survirage. Oui. Voilà. Donc, il va falloir, adapter tout ça. On va dire OK pour lui. Voilà les pneus. Donc tu as une quantité pour ton week-end de pneus pour chaque pilote. Tout à fait. Okay. Des super slick, des soft, des intermédiaires et des pluies. Et wet. Ok. Voilà. Donc là on va partir. On peut essayer de l'intermédiaire, voir ce que ça donne. Mmh. Ça a l'air d'être ensoleillé, pluvieux, donc ça semble être bon pour de l'inter. Il pleut, mais il pleut pas des trombes plutôt. Comme disait si bien Jean-Louis Moncey, il fait gras mouillé. Très belle expression. Je l'avais oublié cette expression. Alors. La deuxième voiture hein, qu'il faut pas oublier. Allez, on va la laisser juste comme ça, on va pas se prendre la tête. C'est notre pilote leader de toute façon. Mais lui, quand même, des pneus inter. Oui. Est-ce qu'on essaie les pneus pluie pour voir s'ils sont plus performants? Ah, pourquoi pas, pour voir la différence. Est-ce que les pneus pluie, mais moins d'aéro, compenserait un pneu intermédiaire avec plus d'aéro? Ah, faut voir s'il arrive à le monter en température aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On met plus d'aéro? Non, laisse comme ça, mais juste avec les wets pour voir si ça fait vraiment une différence de perf entre les okay. deux. Comme les pilotes sont pas si différents que ça en performance, même s'il y en a un qui est un petit peu donc moins là, c'est bon. Régulier. Et on va débuter. Alors tu peux dire avoir des résultats instantanés ou tu peux faire la séance. Et on va faire la séance, ce sera beaucoup plus visuel, on va enfin voir des petites voitures qui tournent. Même les animations rappellent ce que la FOM nous propose en début de Grand Prix, donc c'est vraiment... Voilà, alors je vais mettre en pause tout de suite. Bouger en temps réel. Les voitures pour l'instant sont au paddock. Mmh, je vois ça. Et on va faire sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Lequel on fait sortir en premier? Je pense que si on fait sortir celui en wet, histoire de voir où en est la pluie, parce que si on fait sortir un intermédiaire, ok, et qui se plante, je ne sais pas. Alors stint type. Est-ce qu'on se met plutôt dans une config où on veut ressembler... Oh, la qualif pour lui. On va essayer de lui faire faire un bon temps de qualif. Tac, un tour. Le choix de pneus, c'était fait. Alors, Morgan nous demande s'il y a des médiums et des durs. Je pense que ça varie en fonction de la piste, comme en vrai... Oui, il y a du médium, effectivement, mais je crois pas avoir vu du hard. J'ai pas vu de dur. Je crois que ça... Ou alors, c'est du dur, mais je... Il y a un des deux, médium ou dur. On va peut-être le voir tout à l'heure s'il pleut pas. En tout cas, il y a trois compositions, quoi qu'il arrive. C'était encore le cas jusqu'à l'année passée, avant qu'ils nous mettent des super soft, ultra soft, méga soft et tout ce qu'ils peuvent inventer comme. Alors, c'est parti. Ranger. La petite voiture, je pourrais sur un circuit. Je vais faire sortir aussi l'autre. Hein. Tant qu'à faire, oui. Peut-être un peu plus calme le deuxième, comme il est en intermédiaire, je sais pas. Même si je vois qu'il n'y a pas tant de pluie que ça, il n'y a pas tant d'eau sur la plus piste. Calme mais... dans son pilotage, tu veux dire? Oui, pas lui demander de sortir un temps qualif, mais plus un temps posé. Alors regarde par exemple Bjorn, on va retourner sur lui. Hop.
Et tu vois, j'ai la condition de la voiture. Ça, c'est l'usure en fait des pièces. J'avoue que Skype est en train de faire un petit peu de la bouillie de pixels, mais. On peut essayer de faire une petite pause pour changer tout ça si tu veux, pour que tu puisses bénéficier de bonnes conditions. Non, ça va, ça revient. Il suffit que tu râles pour que, voilà. pour que Skype se remette à. Donc là, on est sur la condition de la bagnole. Tac. Au-dessus, tu as la connaissance qu'on est en train de prendre sur la piste. Mm-hmm. Ici, tu as la stratégie. Donc tu as ici le plan de fonctionnement du moteur avec la consommation d'essence qui est en conséquence. Tu vois, overtake, high, medium ou low pour le moteur. Et là, tu as le pilote, quand tu lui demandes d'attaquer fort, juste de pousser, de rouler normalement, d'être sur la défensive ou carrément d'économiser à mort. Donc lui, par exemple, on peut lui demander maintenant d'attaquer comme une mule. C'est parti. Et on le voit avec la petite icône qui change de couleur en bas pour avoir une idée assez rapide de ce qui se passe. Et on va pouvoir observer ici l'usure du pneu et la température qui va monter. Et ici, tu as le fuel. Voilà. Okay. Les trois petits trucs que tu vois ici... trois petits trucs verts que tu vois ici et qui sont reportés sur le pilote là, en fait ce sont ces temps intermédiaires sur les trois tiers du circuit. Donc tu peux savoir dans quelle partie il a été le plus rapide et où le plus lent. D'accord. Et ici tu as une vue d'ensemble de ce qui se passe avec les connaissances complet, qui augmentent ici, tu vois. Oui, level 1. Donc ça commence déjà à donner un statut sur le comportement de tout le monde. Je vois que ça sort en différents pneus. Hein. Il y en a qui ont encore tenté les pluies malgré tout. Ouais. Donc, Bah, tu vois, ils ont fait le même choix que nous. Hein. Il y a beaucoup plus de pneus pluies qui sont sortis. Et la piste va commencer à s'assécher, tu vois. Et elle sera même sèche dans 2-3 minutes. Donc on va pouvoir peut-être essayer du super soft aussi. Alors est-ce qu'on voit une différence à l'œil nu de la trajectoire qui sèche ou alors attention c'est du détail hein, mais alors j'ai eu l'impression que oui parce que quand tu regardes la voiture, je vais essayer de zoomer dessus un peu plus. Est-ce qu'on peut atteindre un niveau de zoom supérieur? Voilà. Tac. Quand tu regardes bien, tu as une partie de la piste qui est plus sombre. Mmh, effectivement. Donc qui ressemble surtout dans les virages ou aux endroits où ça laisse de la gomme. Voilà ici. Et les trajectoires des voitures, en fonction de la façon dont le pilote était à l'aise ou pas, je trouve qu'elles changeaient. Alors, est-ce que c'était une vue de mon esprit? Tu vois, la pluie s'est arrêtée. Il vient de me dire il pleut plus sur le circuit. Donc, on va les faire rentrer peut-être tous les deux. Il ne reste plus que 4 minutes. Et puis, on va voir. Il vient de se mettre deuxième, de toute façon, ton pilote en wet. Alors, ouais. L'autre est 8ème. Tu vois là, en wet, il avait fait les deux bons premiers. Alors, tu as plusieurs couleurs. Le vert, c'est son meilleur temps personnel. Mauve, c'est le meilleur temps de la session. Et blanc, c'est un temps moins bon que ce qu'il a déjà fait. D'accord. Ça, c'est comme en vrai, finalement. Bon, en intermédiaire, tu vois, finalement, ici, on est en 1.39. En intermédiaire, on était en 1.40 pour le meilleur temps en mouillé. Donc, avec cet état de piste-là... Donc, il suffit qu'une séance se passe sur une piste changeante et ça peut très vite. Et puis ça change assez souvent, évidemment, puisque le jeu prend plus d'intérêt quand ça change. Oui, évidemment. Être plus réactif. La piste est très large ou c'est une impression parce que... Ben, c'est des 4 voies sur certains endroits, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est un circuit urbain, mais piste large. C'est pour ça que ça m'évoquait un peu Détroit dans le style de piste, surtout avec ce qu'il y a aux alentours, surtout au niveau de la. Ben, c'est un peu Sochi aussi, hein, les deux derniers virages en angle droit, enfin les deux premiers pardon en angle droit et ensuite passer à travers pas mal de parcs d'attractions etc. De gros bâtiments. Est-ce que je vais avoir le temps de le faire ressortir? Send out. Alors on va se mettre en pause et cette fois-ci on va. Alors déjà là tu vois j'ai un retour sur le comportement de la voiture maintenant. Pauvre mauvais. Mauvais, c'est mauvais. Vous êtes mauvais. Mauvais. Allez, on va essayer d'augmenter tout ça. Plus d'appui. Plus d'appui. On va juste mettre plus d'appui. Je pense que c'est mieux comme ça. Bon, de toute façon, même si ça sèche, pas forcément. Parce que s'il ressort avec une voiture exactement pareille et que la pluie aérodynamique serait suffisante si la piste n'est pas humide. Ouais. Puisque normalement, il devrait avoir plus de grip. Alors, on va se mettre... en piste, en pneu super super soft. Tu as combien de séances d'essai libre? Pardon, ça m'a échappé, tu l'as peut-être évoqué. Une seule, d'accord. Donc lui il va sortir, l'autre va rentrer, on va redémarrer le temps. J'ai trois niveaux de vitesse hein, pour le temps. Ouais, je vois ça en bas, ouais.
Alors, send out, lui c'est pareil. Je vois que séance, le statut est en drapeau vert. Est-ce que d'autres pilotes à part toi peuvent faire des fautes et Oh, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des drapeaux, il peut y avoir un pace car. D'accord. Ça c'est déjà, j'en ai déjà vu. Effectivement, donc tu peux avoir une voiture de sécurité qui rentre. Lui, on va le mettre peut-être en soft, comme ça on verra la différence. J'ai pas trop changé le setup de la voiture, mais c'est pas grave, j'ai pas vraiment le temps là en 42 secondes. Ça va pas donner grand-chose, je pense. Oui, je sais même pas s'il fera son tour de sortie, le pauvre. Ah, mais il y a un paramètre que j'ai pas pris en compte, c'est qu'il a fait Ah ouais, mais il a fait un moins bon temps tout à l'heure quand il était en wet, mais en plus il était censé attaquer à fond. Donc les pneus intermédiaires étaient Oui. bien plus performants en fait. Je vais faire attaquer les deux là. Tac. Et voilà. Bon, il va La pouvoir session te enchaîner le permet de prochain terminer tour. aussi ton tour rapide, si t'es en tour rapide avant, Voilà. même si c'est à zéro Oui, comme en oui, vrai, donc ça c'est pas mal. oui. Alors j'accélère à fond là le temps. Ça incite aussi à bien connaître les chronos sur chacun des circuits pour savoir si ça vaut la peine ou pas de refaire ressortir ton pilote avant la fin de la séance. C'est ça, bah, tu peux les regarder aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de voir sur les autres catégories, les autres courses, de regarder les historiques. Alors, détail marrant, c'est un petit trafic en fait sur les autoroutes qui sont à côté pendant la C'est plutôt course. marrant, ouais, c'est. Moi, ça Ça me fait. vit un peu autour, c'est pas Ouais, mal. ça me fait penser au circuit TCR, moi, quand je vois des petites voitures comme ça. Ah oui. Alors, tu vois là, il a fait un excellent temps sur le premier secteur avec du super soft, qui est assez logique. Ouh, on a eu un effet sonore. Quel exploit! C'est les joies des alpha et Maxime, des la bêta. version PC, elle vaut la version. Elle est bien au-delà de la version mobile. Elle creuse en fait. Disons que la version PC, c'est la version mobile qui a grandi dans tous les aspects du jeu. Alors, bah dis donc, ça a tourné en 1,34 en pneu intermédiaire. C'est très très loin devant nous. On est complètement En à même la temps, quand tu ramasse. t'appelles Dreyfus, quoi. C'est normal d'être devant tout le monde. Bref. Alors, Tu as des tweets qui passent aussi, donc. ouais, t'as du réseau social. Alors, il y a des balises encore qui font partie de la version alpha. Mon objectif là-haut de qualif pour gagner Gagner mon cœur. 545 000 euros. Et voilà le moment d'appliquer mes bonus. Alors, mécanique quand même. Califrein, califrein. D'accord. Voilà. Et la même chose ici. Et en fait, ces bonus en fonction de ce que tu as fait comme session d'essai, tu peux les appliquer ensuite. Là, j'ai focalisé mes sessions d'essai sur un seul tour de course. Donc une session pour préparer la qualif au mieux. C'est pour ça que j'ai des bonus en qualification. Et puis, bon, ça pourra me servir pour les pneus, puisqu'ils seront plus rapidement à température pour la qualif. Mais ça ne me servira pas trop pendant la course. À moins que je décide de demander à un pilote de rouler plus lentement. Et à ce moment-là, ces pneus chaufferont plus et seront plus facilement à la bonne température. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On va lancer la qualif. Les réglages, j'avais déjà fait les modifications. On va aller regarder se qualifier. Alors là, c'est pareil. On va envoyer. Ah, il pleut de nouveau. Alors, voyons voir. Il va continuer à pleuvoir. Et eh ben on va les faire partir en intermédiaire, hein, puisque c'était apparemment la meilleure solution. J'aurais fait pareil pour tout te dire. Aérodynamics, on est toujours en bad. Je pense qu'il veut encore plus d'appui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, il en a déjà beaucoup, je trouve, hein. Ouais, je pense que si ça sèche, on peut lui en mettre peut-être un peu moins. Comme ça? Ouais, après ça reste une piste assez sinueuse, donc faut mieux de l'appui à l'avant parce que dans les virages faut bien savoir inscrire la voiture, donc Bon, là ça va, on a à peu ouais, ça près le reste équilibré. comportement, hein, sur ou Ouais. sous virage. Ok, les pneus c'est fait. Lui, C'est il est tout bête, mais parti. j'apprécie bien le taux d'usure des pneus, le cercle autour qui se réduit en fonction de l'usure des pneus, c'est pas mal. Ouais, C'est visuellement bête, mais c'est c'est très visuellement parlant, ouais. très clair. Ouais. Oui, tu n'as Ah. que 4 minutes 38, ça va être difficile, là, faut pas traîner. Tu vois là par contre, lui est beaucoup plus satisfait du comportement de sa voiture. Sauf en aéro. Ouais, et l'aéro avant était au niveau de la flèche. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce qu'il te dit si justement l'aéro, ce que tu peux faire plus ou moins, ou est-ce qu'il te dit juste ça va pas? Bah Parce que non, j'ai pas vu. tu vois, tu as les recommandations, c'est la zone verte claire. Tu as l'état actuel et tu as l'état précédent.
mais il te dit pas si c'est pas assez ou trop en fait. Et ça, c'est surprenant. Parce qu'après, s'il veut un peu plus de vitesse de pointe sans forcément toucher à la balance et à la maniabilité, un peu moins Ouais. d'appui. C'est compliqué, hein, compliqué comme dans la réalité, parce que dès que tu touches un paramètre, t'as tous les autres qui sont impactés. On va laisser comme ça, on va pas se prendre la tête. Par contre, lui aussi, on va le mettre en intermédiaire pour qu'il nous fasse quelque chose de correct. Allez, dehors, messieurs, on va accélérer le temps. Ils ont piste libre en plus, faudra juste espérer qu'ils se gênent pas tous les deux. C'est possible qu'ils se Alors, gênent tu vois, là, mutuellement. je pense que c'est un bug, tu vois, parce qu'il se fait dépasser par. Ils se font dépasser par tout le monde. J'ai l'impression qu'ils font un tour de. Un premier tour de mise en piste qui est lent par rapport aux autres. Ouais, le tour de sortie, les autres sont peut-être déjà en tour rapide, peut-être. Je pense pas. Alors, tu vois, Outlap Optimization, Oui. là, il faut que je les fasse accélérer pour qu'ils soient à la bonne Mettre en température. température. Voilà, exactement au moment où. C'est pour ça qu'ils étaient lents. Quelle couillonnesse. Il y a les freins qui doivent être chauds. Je vais diminuer la vitesse là parce qu'ils vont arriver à la fin du tour. Hop, 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 hop. Ici, on se calme. Voilà. Ouf. Ils font constamment surveiller ce qu'ils Petite te font en phase. piste. Ouais. Et puis là, j'ai fait sortir les deux, évidemment. Histoire de se faciliter la Ah bah tâche. ouais. Tout le monde au Perfect, je suis turbo. parfait à gauche, c'est bon. Mais t'es obligé de le faire finalement parce que t'as pas assez de temps pour gérer un pilote puis un Ça y deuxième est, dans la séance. ils sont partis. Ils sont en route. Je peux plus rien changer. Il y a encore pas mal de pilotes en wet en piste. Hein, donc. Ah punaise, c'est passé en sec. Ouais, à la seconde, je viens de le voir au moment où tu l'as dit. J'ai dit, tiens, je vais Mais regarder c'est si ça bon là, sèche. c'est bon là. À part Dreyfus là, qui risque de me chourer la pôle. On est les seuls qui soient en intermédiaire, donc on devrait tirer les marrons du feu là. Ouais. À moins qu'il y en a qui. Enfin, à moins qu'il y en a qui, je vais parler français. À moins que certains aient le temps Et de tu vois, repasser par les ils sont box. tous les deux mis en configuration. Calife. Comment on appelle ça pour le moteur en fait? C'est pas le schéma moteur, c'est le La profil. cartographie. Voilà, la cartographie, merci. Ils sont tous les deux mis en cartographie hyper performance. Ça y est. Ça y est, ça y est, ils ont passé la ligne. Eh ben, ils feront pas le meilleur temps parce que Non. leurs deux premiers secteurs sont juste verts. La ligne d'arrivée, je crois qu'elle est dans le. Voilà, ils y arrivent tous les deux. Je ne veux pas te gâcher le plaisir, mais je suis condamné à YouTube pour l'instant. Oh Donc, purée. je ne pourrai pas sauter de joie si on fait la pole parce que je ne le verrai pas avoir en même temps que toi. Donc. Non, eh ben, je c'est plutôt décevant. Je crois qu'il y en a un qui, ouais, il y en a un qui est 11e et l'autre qui est 5e. Donc, mon sponsor va me taper sur les doigts. Alors après c'est une performance sur la qualif, c'est pas sur le week-end, donc tu peux pas te dire je peux essayer de rectifier le tir en course. Ah, je sais pas justement, parce que tout à l'heure je pense que c'était plutôt une performance sur la course qu'il Sur fallait sur faire. la course, ouais. Ouais, là c'est beau temps. Oui là c'est. Le goudron va fondre là. 31 degrés en plus, c'est même pas des super softs qu'il faut mettre. Hein. Ok, alors, pole position Dreyfus, et moi je suis 13 et 7. Après, quand tu avais remporté la course lors d'une manche précédente, tu étais parti d'où? Tu avais fait aussi une bonne qualif ou tu étais parti du mieux Non, peloton? j'avais fait une pole. À une pole, ouais, donc ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué, d'autant que la différence, je sais pas comment. Je suis à Et puis 6e, mais c'est pas un univers, quoi. pour aller dépasser un Indien, un Brésilien, un Argentin et un Ouais, Russe, il va falloir se lever tôt parce que ça risque d'être compliqué là. va être très très compliqué. Cette course va être plus que compliquée. Alors, tu as le résumé, les différents tweets, machin, tu peux vider ton fil de news. Est-ce que tu as récupéré. En fait, quand tu n'es pas en piste, ça va très bien. C'est quand tu D'accord. es en piste que ça ne suit pas bien, je pense, de mon côté, l'update. Mais du retour que j'en ai sur YouTube, c'est très propre, hein. Sincèrement, je trouve ça plutôt joli et clair, en fait. C'est ça. Il n'y a pas trop d'informations qui se chevauchent. Il y a pas mal d'affichages qui sont repris de la F1, on va pas se mentir. Bah Et oui, hein. quand on cherche une information, en fait, on regarde comme si on était devant la télévision ou sur une tablette avec les temps, etc., les écarts en temps réel sur les applis F1. Et si je veux une information, je jette mes yeux à l'endroit où elles sont en vrai. Donc c'est plutôt bien calculé, en plus de toute la gestion incorporée. C'est assez intuitif, c'est pas mal. Tu vois, la cible, c'est la cible à la fin, parce que là, je suis off target, tu vois. Ouais, tu devais être deuxième. Ouais. Donc tu viens de Target passer quand même deuxième. à côté d'1 million d'euros.
C'est quand même pas rien. Non, il faut que je finisse maintenant second ou mieux. Je pense que c'est sur la D'accord, course en pardon. fait que ça compte. Là, il pleut et il devrait pleuvoir encore pour les 4 ou 5 prochains tours. On est sur une piste humide. Ouais, ça va augmenter un peu, mais je pense qu'on va repartir sur l'intermédiaire. Hein. Oui, de toute façon, je pense. Et alors, dans ce cas-là, tu ne peux pas voir ce que font les autres. Tu ne peux pas savoir ce qui est décidé dans les autres équipes avant de toi avoir À ce choisi. moment-là, non, tu le découvres sur la grille, quoi. Alors, est-ce que là, ce serait amusant qu'il rajoute de l'intelligence, tu vois? Alors, est-ce que pour le coup, mettre le pilote qui est le mieux placé en inter serait. À plus, Cébule. Merci d'être passé. Est-ce que le Et pilote. bienvenue à Temano FIFA. Ah, Temano, c'est un modérateur de chez moi qui arbore le logo d'un club de foot belge très connu, mais que je ne supporte pas, donc je ne le citerai même pas. Pour revenir au sujet, Oui. c'est vrai que si on place le pilote le moins bien classé en soft et qu'on essaie de lui faire faire 4-5 tours en soft, est-ce que le gain d'un arrêt est possible ou est-ce que ça n'évoluera pas assez vite au niveau de la météo? Je sais pas, on peut tenter le coup de poker sur le pilote qui est moins bien classé. Ouais. Je sais même plus lequel c'est d'ailleurs, attends voir. Bah, je crois que c'est Arbeloa 5e, je crois. Alors, 5, 7e, pardon. voyons voir la grille. 5, 6, oui, c'est ton Ouais. pilote espagnol qui est 7e qui lui part. Alors regarde, on voit ce que les autres ont monté par Alors contre. oui, là oui, ils sont en wet tous. Alors Bon, attends, est-ce sauf que c'est ce Dreyfus. qu'ils ont. Non, non, c'est pas les pneus qu'ils ont monté pardon, pour la course, c'est ce qu'ils avaient, je pense, pour faire leur tour de qualif. Parce que ça correspond à ce qu'on avait comme affichage en qualif. Alors est-ce qu'ils les ont gardés pour la course? Je sais pas à quoi ça correspond. Exact, exact. Oui, parce que moi je suis en intermédiaire encore là aussi. En intermédiaire avec Eda et on est normalement en intermédiaire avec Sergio aussi. Alors, voyons, voyons. Car setup. De toute façon, si c'est humide, on va pas partir en slick. Pour le mieux classé, on va partir, je pense, en intermédiaire. Je pense que ça, c'est logique. Surtout si c'est une Ah oui, fine par pluie, ce qui a l'air d'être le septième, cas. ouais. Pas trop d'humidité sur la piste. Après. Fuel option. Alors moi j'aime bien me rajouter. Ah, il est déjà au max. 9 tours. Là tu peux régler ta quantité d'essence hein, si tu veux faire un arrêt aussi plus précoce. Effectivement, je vais peut-être te rejoindre. Arbeloa, il est 7ème, il n'a pas de capacité de dépassement démentiel. On va le laisser en intermédiaire pour l'instant. La deuxième voiture. Tu veux qu'on tente le coup de poker de le mettre en super soft? Ou en soft? En soft, peut-être qu'il tiendrait plus longtemps si ça sèche. Après, à toi de gérer ta carrière, c'est toi le patron. Hein. Moi, je me ferais pas Non mais virer. justement, non mais justement, je te propose à toi d'être là et puis de faire les choix comme si tu y étais, c'est le Je t'avoue que moment. moi, je tenterais quand même de le mettre en soft, mais pas en super soft. Histoire de dire s'il peut gagner un arrêt, si ça sèche vite, Et ça pourrait être. à ce moment-là, est-ce qu'on diminue la quantité d'essence? Pour pas trop user les pneus Oui, justement. justement, oui. De toute façon, et on lui fait faire, on prévoit de s'arrêter au sixième ou au septième tour, puisque là on a une vision quand je regarde la météo qui s'arrête au sixième tour, tu vois. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on ne sait pas comment tout va évoluer, sinon c'est plus facile effectivement Et de. oui. Mais on voit surtout qu'il y a un peu plus d'eau qui va arriver, si j'ai bien vu sur l'autre graphique que tu as affiché, il y a un peu plus d'eau qui va arriver sur la piste. Bah, Donc. plus il pleut longtemps, plus il y a de l'eau sur la piste, mais. Après, on voit que ça évolue très vite, donc. Oh, allez, tentons le coup, hein. On est là pour. Ouais, 7, On est on va là pour tenter le voir. coup. Soyons fous. Oui, par 13ème, ok. Très bien. Setup changed. Ça, c'est fait. Intermédiaire et soft. Alors, la stratégie. Bah, il serait assez logique que notre pilote qui est le plus en arrière, tu veux le faire attaquer? Alors, est-ce que si on le fait attaquer avec des slicks sous la pluie, est-ce qu'il risque pas de se mettre dedans malgré ses capacités de dépassement et de. Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est celui qui a les meilleures capacités de dépassement en même temps. Hein. Oui, mais il est bon aussi en prise de virage, en freinage. Il a l'air d'être quand même assez à son affaire en dépassement et en flexibilité. Donc, il peut s'adapter, je pense, facilement à une piste changeante. J'imagine que c'est ça la flexibilité. Je sais pas sa capacité à se plier dans la voiture, enfin j'espère pas. Allez, oui, il faut. Le premier tour, on le fait attaquer. Oui, voilà, pour voir si Pour essayer de le faire gagner un maximum de place et puis c'est possible. on Ouais. le calmera tout de suite quoi. Par contre, lui, qu'est-ce qu'on fait avec Sergio? Écoute, je le laisserai gérer, écoute, s'il peut te ramener un podium. Ok. En attaquant un tout petit peu.
You have selected tires which don't suit the current weather conditions, I assure. C'est bien qu'ils te préviennent, au cas ouais, où. Ouais. C'est bête, mais c'est pas mal. Allez. Allez, allons-y. Soyons fous. Oh, un Témano. Oui, alors, il y a des gens de chez moi, effectivement, mais... Il y a de la modération dans l'air. Alors, l'extinction des feux... C'est la perte totale du live pour moi du côté de Skype avec le départ. Ouais. Donc je verrai un peu comment ça se passe sur le live qui n'est pas tant décalé que ça. Pourtant j'ai baissé la qualité, mais... Bjorn, celui qu'on a mis et qui attaque le plus, est passé 14e au lieu de 13e, c'est bien, on est content. Il est pris dans le paquet en fait. Ouais, on s'y attendait un peu. Hein. Ah, moi je comptais sur... Ah, 12e. Mais t'es pas le seul à être parti avec des pneus secs, hein, regarde, autour de toi. Ah, exact. Ouais. Il y en a qui sont en soft. Il y en a... Arrêtons-nous au stand pour des pneus pluie, c'est un peu mouillé ici. Ignoré. Ah, je suis d'accord parce que regarde, dans le peloton, il y en a qu'un qui est en intermédiaire. Il y a que le pilote de chez nous qui est parti en inter. Donc, c'est pas comme s'il était en décalage en étant en pneus slick. Ils sont tous en slick. Donc, Et Arbeloa qui a l'air de tenir pour le coup, enfin de ce que je vois. Ouais, du coup, ouais, il tient bien. Du coup, nous on est qu'en 10e position et j'ai déjà perdu un quart des pneus, donc on va le calmer sur la stratégie lui. Hein. On va se mettre en neutre en style de conduite et pour pas qu'il soit en panne d'essence, on va rester en médium sur le moteur. Il est quand même remonté 8e là. Hein. Ouais, ça tourne bien. Hein. Donc finalement, on aurait peut-être dû mettre en slick. Ouais, mais là on est déjà en train de cramer. On a un pneu qui a la moitié de sa vie déjà. Hein. Il a 60% déjà le slick. Ouais, je vois ça. Par contre, Arbeloa, il est bien. Oui. Ah, il est très très bien, ouais. Il vient de monter P2, enfin, chez moi. Ouais, il est P1, y a beaucoup de gens qui rentrent. Voilà, il P1. Il est P1. P5 du côté de notre ami norvégien. Ouais. Non, il est P5, par contre, il va devoir... Et il est bien remonté, il est 3ème. Quelle course. C'est ça, quoi. C'est formidable. Alors, un point sur la météo. Point sur la météo, pour l'instant le temps se maintient comme il est là jusqu'au 7ème tour, la piste reste mouillée comme elle est là également, et Arbeloa signe le meilleur temps en 1.40. Donc les intermédiaires n'étaient pas... En fait on pensait qu'on avait fait un mauvais pari avec les slicks, mais c'est les intermédiaires qui étaient un pari risqué maintenant. Donc du coup, il faut que je le fasse rentrer, hein, parce qu'au prochain ouais, tour, sinon là, il va... faut que je le fasse rentrer. Mais essaie de lui monter, alors parce qu'il y en a qui passent en wet, hein, donc je pense que tu peux passer en wet comme le reste du peloton. Ou tu restes en intermédiaire. Je suis en train de faire le meilleur temps en intermédiaire. Bon, peut-être qu'en wet, ils seront encore meilleurs. Bon, en inter, je pense que ça peut le faire. Hein. Allez, on met de l'inter. Au niveau du fuel, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que tu peux remettre de l'essence en cours de route? Tu peux. Ah non, oui, si, je peux et je remonte à 9 tours. J'ai 9 tours d'autonomie au maximum. D'accord. Je pense que de toute façon, les pneus tiennent pas à 9 tours. Donc, on peut descendre à 7 tours sans aucun problème. Faudra faire deux arrêts quoi qu'il arrive. Donc on va continuer comme ça. Les pièces, est-ce que je répare des pièces pour l'instant? Tu vois, je rajoute du temps en bas. Si je répare par exemple, si je décide de réparer, ce qui n'est pas réaliste, mais bon, je pense que c'est pour les principes de gameplay, hein, la boîte de vitesse. Tu vois mal un changement de boîte en plein Grand Prix, tu sais. On est trop fort, c'est Ferrari plus 10. Ferrari est très fort en mécanique, par contre en stratégie... Maxime, il attend le jeu avec autant d'impatience qu'Horizon 3, tu vois. Perso, Horizon 3, j'attends vraiment et je me rends pas compte que c'est dans 22 jours. Donc 7, ça fait 5 secondes en plus pour réparer un peu ça. On va le laisser. Hein. On laisse le comme ça, peut-être au prochain arrêt, vraiment. Le temps d'aller chercher le tape dans le fond de la servante pour. Un autre truc intéressant que tu découvres ici. Comment va se passer l'arrêt au stand? Plutôt risqué, équilibré. Mais ça ne te fait rien gagner. Si, regarde, sur 9 secondes, équilibré. 7 secondes, rapide, 5 secondes. Mais avec un risque de 1% qu'il y ait un cafouillage, de 10% en équilibré et de 25% en rapide. On va rester sur l'équilibré, c'est pas mal, je pense. Okay. Parce que 25, ça paraît beaucoup. D'accord. Même si de ma nature, j'aurais pris le sûr parce que je suis un faible de nature, mais... Ah, il enchaîne bien hein, sur de l'intermédiaire. Il est encore en train de faire le meilleur temps sur le premier secteur. Arbeloa. Ouais, il va finir tout juste son train de soft pour rentrer au stand, donc il n'a pas de temps. Et il est même pas au quart de son intermédiaire, hein, donc c'était vraiment un bon choix. Mm-hmm. Lui par contre, alors est-ce qu'on le fait attaquer pour qu'il flingue ses pneus complètement? Non, il perd un temps énorme là par contre.
Heureusement qu'il va arriver au stand, on va le suivre un petit peu. S'il peut ralentir le peloton au passage, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qui se passe au niveau du temps? Ça n'évolue pas. C'est un peu moins mouillé après, tu vois, là, ça a l'air de baisser un chouïa. Ouais. L'arrêt au stand. Alors, on voit, refuel c'est bon, les pneus c'est bon. La boîte de vitesse, c'était pas la peine de la réparer. Et il est reparti. Ok, il a une piste libre devant lui. Il est évidemment 20ème. Sur de l'intermédiaire. Si jamais on voit. Alors, si ça s'assèche. Si ça s'assèche. Exactement. Est-ce qu'on le ferait pas attaquer plus pour qu'il crame ses pneus et qu'on puisse faire coïncider ça après avec des pneus slick? Oui, mais est-ce que si ça s'assèche pas. Est-ce que les autres devraient pas repasser en intermédiaire et eux garder l'avantage qu'ils ont avec leur gomme actuelle? Si ça ne sèche pas. J'adore ces dilemmes et c'est ce qui fait tout le sel du jeu, quoi. C'est génial, parce que tu te dis, là, pour le coup, on est vraiment complètement décalé par rapport au peloton qui était en full wet, mais vraiment. Ouais, mais complet, le full wet est moins performant parce que. Oui, c'est pas, ça n'a pas de sens. Pas détrempé, quoi. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas assez d'eau, quoi. Même s'il y a plus d'eau qu'au début, l'intermédiaire fait le boulot. Par contre, les freinages à 3-4 de front, des fois, c'est un peu compliqué. Hein. Dans le milieu du peloton, je dois t'avouer qu'il y en a qui doivent se faire des frayeurs, là. Alors, est-ce que je peux zoomer? Alors, attends, on va se mettre en pause, là. Quand on voit ça d'un peu plus près. Et hop, là, c'est reparti. Bon, c'est représentatif, hein. Ça n'a pas vocation à être de la simulation quand tu vois les bagnoles, mais c'est toujours sympa, je trouve, de pouvoir les suivre et de. C'est pas le but, mais c'est tac, bien. Tac, de voir que ça se bat et qu'il essaie de prendre des places. Il y a un petit côté auto-tamponneuse, mais c'est pas encore trop le cas. Ça va, ça se tient bien. Ça, non, ça respecte les trajectoires. Enfin, c'est pas non plus illogique comme il tourne. Voyons voir quels sont les écarts. Là, on est en 1.39.7. Le second est à 32 secondes. Il lui a mis un vent pas possible. Et il continue à enchaîner les bons tours. Il est de nouveau sur son meilleur premier secteur, Arbeola. Mais il pourrait aller au bout avec cela, non? Tu penses qu'il peut tenir les 19 tours avec l'intermédiaire sans stopper? Non, il peut pas tenir les 19 tours. Ah, quoique, on est à 6. Qu'est-ce que ça donne ici? Regarde le, par rapport au cercle 6, 12, 18. Il est au tiers de son pneu. Hein, donc, il est à 62%. Ah, ouais. Alors, pourrais-je finir la course avec aussi peu de carburant? Certes non. Donc il va falloir stopper. Oui, bah là, il a encore 3 tours, mais... Et tu fais quoi? Tu lui remets des intermédiaires et tu mettrais des slicks à ton Norvégien pour essayer de faire une différence si ça sèche? Je sais pas ce que dit la météo. Regarde. J'ai vraiment pas envie de lui mettre autre chose que des intermédiaires pour l'instant. Ah oui, non, il remonte. Je le découvre à l'instant. Ce qui est chez moi, il était encore 17ème et là, il est déjà 14. Il est 14, effectivement. Là, j'ai mis en pause. Et puis, Arbeloa, avec des intermédiaires, il vient encore d'améliorer le meilleur temps en course. Donc pour l'instant c'est un peu moins mouillé, mais il n'est pas encore prévu qu'il s'arrête de pleuvoir. Par contre, ce qu'il va falloir faire, je pense qu'on va encore boucler ce tour-ci avec lui, le suivant, et puis il va falloir y passer, ouais. Et puis on le fait rentrer au stand. Et ce que je peux faire, c'est lui demander d'attaquer encore plus sur les pneus, puisque de toute façon histoire de les finir avant de stopper. Ouais, si tu es d'accord. Ah oui, non, mais attends, mais le pourcentage d'usure n'est pas progressif, il est dégressif. Oui, il est dégressif, il reste 56%. Ah oui, pardon, je viens de le constater sur le live à l'instant. Allez hop, je vais le faire attaquer. De toute façon, il a la piste libre, hein. Il faut qu'il mette le maximum d'écart. C'est vrai qu'au niveau du temps, si t'avais juste fait un arrêt en remettant le fuel nécessaire sans toucher aux gommes... Vu qu'il lui reste, chez moi il lui reste 60%, mais s'il lui reste une cinquantaine de pourcents alors qu'on est... 50% là, ouais. Et on est à combien de tours? À 8, ça est... suffira pas. 8, non. En sachant que la qualité, il faut que tu saches une chose, c'est que la qualité de l'adhérence se dégrade énormément en dessous de 25%. D'accord. Donc, le dernier quart, tu commences à perdre du temps. Alors lui aussi, il faudra qu'il s'arrête, mais on va le laisser rouler pour l'instant. Alors, il peut encore faire 2 tours, notre leader... Donc il continue à taper dans ses pneus pour ce tour-ci. Et au prochain tour, on le fait rentrer. Alors, sachant que au niveau des pneus, on va se remettre en pause. Mes freins fonctionnent bizarrement. Quelqu'un pourrait regarder s'il y a un problème? Alors, oui, en effet, ils sont à 31%. On pourra peut-être penser à faire quelque chose. Petit changement de disque au box. Oui, à 5 c'est tours ça. De la fin. Sans aucun problème. De ce côté-ci, en revanche, est-ce que lui, on lui demande de taper dans les pneus aussi? Parce qu'il faudra de toute façon qu'il s'arrête pour refueler.
Est-ce qu'il a vraiment besoin de taper dans les pneus plutôt que de garder ce rythme puisqu'il remonte petit à petit, dixième Ah, tu veux qu'on essaie de garder le même train de pneus et de remettre juste de l'essence? Peut-être, oui, peut-être que lui, ça Oula, oula, suffirait. oula, oula. Les conditions météo changent là, il y a beaucoup moins d'eau sur la piste, il pleut de moins en moins. Alors, est-ce qu'on n'y mettrait pas des secs à notre ami Est-ce qu'on y mettrait pas des super soft histoire d'être sûr Bah, les super de soft tenir sucent très 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 vite, hein, très t'as vu vite? tout à l'heure. Ah oui, c'était. Bon, bah, soft alors. Pour le coup, des softs pour Arbeloa, mais. Alors, tac, et maintenant on va prévoir son arrêt au stand. On va le faire piter. Cruel dilemme. Bon, ça va aller en. On lui met du soft. Oui, je pense que du soft ira, ça ira mieux. En fuel, on va faire le plein. Hein. 9 tours. Comme ça, on pourra le faire attaquer sur la carte au moteur si on en a besoin. Il va falloir qu'on s'occupe de ses freins. Donc ça fait un arrêt de 15 secondes. Et le reste devrait tenir jusqu'au bout. Ouais. Ça te va comme ça? Oui, ça va. Alors lui, il pite. Lui, il pourra faire un tour de plus. Notre ami Viande, on va voir où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il a la piste libre? Il n'a pas piste libre, il a du monde devant lui. Mais c'est un bon dépasseur, on va dire ça comme ça. Ouais, on va le laisser comme ça, lui, en plus, il pourra vraiment profiter de... Parce que tout le monde ne pourra pas finir en wet. Parce que regarde, ça rentre. Les premiers rentrent, là, aussi. Ouais. Donc, est-ce crash, en t'as quoi... vu, il y avait un accident, là, ouais. Ils sont crashés. En quoi ils vont ressortir? En inter, si j'ai bien vu, pour ils Antonov. Ils ressortent en inter, ouais. Ils ressortent en inter. Je serais quand même fait ressortir Bjorn en sec. Hein. Ouais, mais lui, justement, il va pouvoir faire un tour en plus. Donc, on va le faire sortir en sec, lui. In pit lane. Alors, par contre, ne pas oublier de changer la stratégie pour le remettre en neutre après. Oui. Voilà. Ça y est, il a ses pneus secs. Il a ses pneus secs, il a son soft. Ce sera intéressant de voir si tu as le temps de voir comment il se débrouille sur son premier tour en sec comparé aux ouais, autres. Là, on a 3 tours. Avant que ton pilote norvégien repasse au box. Bon, il a 54 secondes, il a 30 secondes de 30 secondes de plus. Mmh. Et là, mon deuxième pilote est troisième et il fait le meilleur temps là. Il a sorti le meilleur temps en piste. Ouais, je vois ça. Est-ce que tu nous ferais pas un petit doublé là? Faut qu'on le fasse rentrer. Il lui reste plus qu'un tour d'essence. Il va être en panne si ça continue. Donc. On le met en soft aussi, lui? Ou on le laisse en intermédiaire? Les autres sont changés en intermédiaire ou en wet? Les autres sont en inter. Là, tout le peloton est full intermédiaire. Est-ce qu'on joue pas un peu plus la sécurité, alors? Oui, je pense, oui. Hein? Quitte à faire un arrêt, oui. Ouais. D'accord. Fuel, on va rester comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on répare? Il y a la boîte aussi chez lui. Hein, qui... Là, la boîte est... Ouais, elle est pas... Et son aileron avant est un peu aussi dans un sale état, mais combien ça t'ajoute de secondes de toucher à son aileron avant? 5 secondes. 5 secondes, ouais. Quoi que tu touches, c'est 5 secondes. Ça va à l'aileron. Hein. C'est quand on entre dans la zone rouge que ça devient gênant. Ouais. Bah, alors, je pense que oui, ça tiendra le coup si tu les répares ça. Après, on peut aussi prendre le risque de faire un arrêt plus rapide. Hein. Bon, de passer de 16 à 14 secondes, c'est pas non plus la folie. Hein. Non. Parce que si c'est pour réparer et perdre du temps de par la réparation, il y aurait rien à réparer, j'aurais peut-être tenté le coup d'un arrêt rapide. Peut-être, ouais. Mais bon, non, là il y a un mécanique. On va jouer comme ça. Ouais, je pense. Qu'est-ce que ça suffira. Ah, on va vers une amélioration. Il va s'arrêter de pleuvoir. Hein. Ouais, 31 degrés, je vois. 31 degrés. Et ça va sécher vite. Là, il pleut encore pendant ce tour-là et ça va s'arrêter. La pluie va s'arrêter au prochain tour. Mais il t'en reste quand même 9 à tirer. Donc, t'as quasiment la mi-course à faire encore. Est-ce que notre ami espagnol, avec ses pneus intermédiaires, ira au bout? Je pense que ça risque d'être compliqué. Mais alors après, si tu fais gagner un arrêt... Il l'espagnol, hein, il est en slick. En soft, en slick soft, ouais. Donc si tu mets tes deux pilotes en soft directement, les autres vont seulement devoir repasser aussi pour repasser en slick. Allez, on le laisse en intermédiaire, il sera au pire, il sera dans le peloton. Et puis, par contre, on va le faire tuer ses pneus là dans le dernier tour. À attaquer... Et on va se mettre en high aussi pour l'essence. Comme ça, il essaie de gagner encore du temps.
Il va faire le meilleur, il va signer le meilleur tour en course, là, ça c'est clair. Ouais. Mais ça se voit presque à l'œil nu. Il est déjà au stand de toute façon là. Voilà, il rentre au stand. Alors, ici on est déjà à 79% d'usure sur le soft. Alors ça tombe au niveau du classement, il est P4. Ça y est, il sort du stand. Il repart. Donc il est au moins dans le top 5 avec les mêmes pneus que tout le monde. Il est content pour sa transmission. Il est retombé où? Parce que je t'avoue que moi j'ai pas tout le classement. Il est 7ème maintenant. 7ème. Il se bat pour la 6ème place visiblement. Tout à fait. Il est en 6ème position. Il a pris la 6ème position. Il a un petit peu de devant devant lui. Alors il lui reste 8 tours de fuel. On est à 12 tours. 9, 8, 7. Ça veut dire qu'il peut avoir une carte au moteur un peu plus agressive que ça. On va le mettre en high. De l'autre côté, est-ce que je lui fais... Je commence à flipper, j'ai des signaux d'avertissement concernant plusieurs pièces. Oh, c'est pas grave. Détends-toi. Si, il y a ton aileron avant qui fait la gueule quand même. Détends-toi, t'as plus d'aileron, mais détends-toi, ça ira. Il reste 10 tours, t'as plus de museau, ça mais ça va aller. Large. Large. Ah, les autres pits aussi, ils sont au stand. Et ça repart en soft, j'imagine. Alors, est-ce que le ça fait qu'ils soft, aient arrêté exact. Plus tard, est-ce que certains vont tenter quand même le super soft? Ouais, eh oui. Il y en a qui sont en super soft, en effet. Ils ont moins de distance à faire. Hein. Ouais, et la piste est sèche. Et mes intermédiaires s'usent très très vite pour mon quatrième, pour le pilote qui est sorti là. Alors, lui, tu peux aussi éventuellement maintenant le faire rentrer en super soft. Ouais, mais il vient de s'arrêter. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse attaquer aussi pour qu'il bouffe son pneu. Il fait encore deux tours, il est cinquième, il fait encore ce tour-là, il va falloir que je vienne réparer quelques pièces. Oui, bon. Arrêtez de râler un petit peu. Écoute, râleur, on te demande de conduire, écoute, fais ça et puis ça ira bien. Voilà. Si tu dois rentrer, on te le dira déjà. Et nous, on mange des glaces sur le mur. Ça me rappelle quelque chose. Oui, un très bon film. C'est excellent, ça. Alors, ok, maintenant, il rentre dans son dernier tour. On va le faire attaquer. On va le mettre en overtake ici, on le fait piter et on lui met du super soft alors. Ah bah oui, tant qu'à faire. Allez, fuel option, on ne met rien. Non, et est-ce qu'on tenterait pas une stratégie, vu qu'il n'y a pas de réparation, une stratégie risquée à 25% de... On peut. Allez, on peut. T'as pas l'air chaud, t'as pas l'air chaud. Hein. Non, on peut, amusons-nous. 3 secondes d'arrêt au stand, youhou. Il y aurait éventuellement le frein, mais ça sert à rien les freins. Non mais non, c'est pas utile dans les voitures, les freins, c'est surfait de toute façon. Allez, il rentrera au stand. Il y a encore eu un petit carton, enfin j'ai vu le drapeau vert en haut. La voiture déraille un peu, est-ce que j'ai un problème? Mais tais-toi donc. Alors, on va aller voir notre leader. Il vient d'une piste détrempée sur une piste sec, il fait ça tient pas la route, qu'est-ce qui se passe là? Alors, il a 85 secondes d'avance, lui il faut qu'on lui prévoie son arrêt au stand aussi à lui. Ouais. 14 tours sur 19... Il va falloir qu'on lui rajoute un peu de fuel à lui d'ailleurs. Un peu de fuel et des super soft aussi, pour le coup. Alors, voyons voir. Du super soft, monsieur veut du super soft fuel. On va lui rajouter un tour, effectivement, c'est une bonne idée. Et qu'est-ce qu'on répare? On va réparer l'aileron, ça c'est sûr. Peut-être. C'est quoi? C'est la transmission, la partie à droite? C'est la boîte. Ouais, la boîte, oui. Donc on a un arrêt de 18 secondes. Il en a 44, donc à la limite, on peut reconstruire un châssis. Quoi. Ouais, ouais. Après pas prendre trop de risques. Hein, mais On peut assurer, hein, on peut aussi refaire un aileron. 18 ou 24 secondes, non. On va pas exagérer. Hein, non, mais 18, c'est bien, avec le risque qu'il y ait quelque chose qui... Par contre, lui, on va le mettre en équilibré. En équilibré, ouais. Petite 18 secondes, quand on a 45 d'avance, ça va. Hein. Ça va, ouais. C'est pas... Surtout qu'il sera maintenant dans les bonnes compositions de gomme comme les autres, donc il va revenir dans un rythme... correspond aussi. Bon, il tue ses intermédiaires et là on est en grand beau temps, grand soleil, 31 degrés, piste sèche et la gomme commence à s'accumuler donc la piste va devenir de plus en plus rapide. Ah, c'est bien les autres avec leur super soft. Ah, ça y est, notre leader s'est arrêté et il repart. Ça a été rapide, hein. Ouais. Donc pour l'instant, second pilote est arrêté. Pour l'instant, potentiellement, tu pourrais mettre les deux voitures dans le top 5 s'il arrive à dépasser notre ami norvégien, si tu arrives à lui mettre une cartographie peut-être un peu plus agressive. Alors,
très s'il bien. S'il a assez de fuel, je suis pas sûr. Fuel, il a assez, il a 4 tours de fuel là. Et il en reste 4. Ah, je vais peut-être descendre un peu, il était en overtake, je vais peut-être le mettre en rail seulement. Que ça lui laisse une marge de dépassement. Ouais. Parce que, au niveau du classement, je t'avoue que j'ai le top 10, j'ai pas mieux pour l'instant, que je sais pas où il en est vraiment. Il est en 18ème position, hein. Mais ouais. Tous les autres pilotes se sont déjà arrêtés avec leur soft et sont à la moitié de leur soft, donc ils vont devoir, si ça se trouve, encore faire un arrêt et puis perdre beaucoup en performance. Mon leader a combien? Il a 56 secondes d'avance, donc la course est quasiment gagnée pour lui, sauf si, sauf incident majeur. Mm-hmm. Je le vois qu'il rentre dans les autres voitures, c'est de la NASCAR, c'est de la poussette là. Je sais pas si tu vois ça aussi. J'en vois une partie, oui. Je vois que c'est assez musclé. Voilà, j'ai dit reviril le mec correct, mais ça c'est. Je comprends que son aileron il est pas top top à la fin du relais. Il faut que je descende la carte au moteur parce que lui il reste 6, 7, 19, il reste 3 tours, mais il faut pas que je consomme plus. Sinon, c'est fini pour lui. Alors, il a établi le meilleur temps sur le deuxième secteur, notre ami norvégien là. Donc c'est qu'il est en train de faire de bonnes perfs, ouais. Le norvégien est chaud, ça va. Par contre, question bête, mais je vois qu'en haut à gauche tu as ton nombre de FPS. Le jeu est fluide, hein, ça tient plutôt bien. En tout cas, sur le live, c'est tout à fait propre. Il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de coupure, de hachure. C'est... Ouais, toi bon, qui l'as directement sur ton écran, ça donne bien. Ça donne très bien, c'est très fluide. Bon, en même temps, c'est pas un jeu qui normalement devrait nécessiter de grandes capacités. J'ai pas un foudre de guerre non plus, hein. C'est un i5 que j'ai en processeur. Et puis ma carte graphique, je crois que c'est une GTX 960 ou 70, je sais plus maintenant, j'ai un doute. J'ai pas un foudre de guerre, j'ai un ordinateur correct, mais on n'est pas en train de faire tourner une simu full 3D avec plein de trucs à gérer, des paramètres de voiture. Je t'invite à tester New York Bus Simulator, tu verras qu'il n'y a pas grand chose à afficher, mais même avec un bon PC, c'est pas la folie. Alors, il voit plusieurs avertissements au sujet des pièces. C'est pas grave, tu finiras la course comme ça, mon coco, il reste un tour, c'est bon. Alors, on voit qu'il y a des pilotes qui sont en soft, il y en a deux, pour le coup. Ouais. Est-ce que ça leur ferait gagner un arrêt de moins que tous les autres devront faire, justement? Alors Bjorn, étant en super soft. Bjorn, il est en soft. Alors, il est en train de tourner très bien, mais il est quand même que 11ème. C'est surprenant qu'il soit aussi loin, je trouve. Mais il est bien remonté. Hein. Chez moi, il était 15ème hein, avec le délai du live. Ça me donne un peu un écart, voir comment ça évolue. Ouais. Donc, il était 15ème. Donc là, il arrive à remonter déjà 11. Alors lui, notre leader, on va lui demander d'assurer. Oui, je pense que là, même en carto normal, il peut aller au bout avec 60 secondes d'avance. Non, je laisse en carto normal, mais par contre, je lui dis de pour ses pneus. C'est aussi le style de conduite, c'est-à-dire que plus tu leur demandes d'attaquer, plus ils risquent de commettre des erreurs. Une pièce qui de logique. Avant vient de se détacher, il est endommagé. Ouais. Oui, bah écoute, freine 50 mètres plus tôt et puis ça ira. Voilà, t'es autour 19 sur 19, tu vas pas commencer. hein. Là, il finit avec le réservoir à sec. Hein. Ah, ça y est, 6ème. Je t'avais dit que les deux vont se faire un top 5. Avec tous ceux qui doivent stopper. Je suis complètement à sec, la voiture perd de la vitesse. Je vais juste te passer sur une carto en low alors. Pour que tu finisses ta course quand même. Et là, les secondes vont s'égrener en bas à gauche. 70, 60. Alors attends, regarde, il va peut-être prendre encore la 5ème place, il va faire un top 5. Il ouais, je vais, tu vas mettre les deux dedans. Parce que tout le monde arrête pour remettre des nouveaux softs. Tout le monde s'arrête à 100 mètres de l'arrivée, mettre des softs, ils ont pas compris. Ah là, il y a un pilote qui abandonne, t'as vu, il y en a un qui fume. Oui, j'ai vu. Enfin, j'ai entrevu, j'ai vu quelque chose vite fait. Ah, bah écoute, visiblement, il n'y en a que deux d'arrivée pour l'instant. Il y a Antonov qui est deuxième, je crois, du coup. Parce que là, Dreyfus et Sabado sont encore dans les box. Ouais, ouais, bah c'est bon, la course est gagnée. Alors ça, c'est une bonne chose. Et il finit sixième. Oui, mais si les deux devant n'ont pas encore franchi la ligne... Ils seront derrière, non? Ah, exact. Donc il peut être P4. Il peut. Ah non. Ah si. Race finished. Si, si, la course est finie, mais il attend. Ah non, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Bon. Objectif atteint. Eh bien, j'attends le contrat de McLaren Honda sur mon bureau demain matin, puisque... Ron Dennis à nous deux. Voilà, tremble, mon ami. Est un... Je ne le dirai pas. Non, Ron Dennis ne fait rien, c'est Eric Bouillet. Ron Dennis, maintenant, il vend des voitures, le pauvre. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un arrêt de plus, en fait, et c'est pour ça qu'on n'était pas... Alors, on est parti en intermédiaire, on a fait un très long premier relais. Ensuite, on est passé en super soft.
Là, il y a un problème parce qu'on n'était pas en super soft à ce moment-là de la course. Tu Non, vois, on est passé en soft. ou alors je le lis pas correctement, ou alors ça se lit de droite à gauche, tu vois. Mais la race end est ici et le race start est ici. Donc là, il y a un souci en fait dans le jeu. Intermédiaire, on a fait soft et ensuite on a fait super soft. C'est ça, ouais. Si mes Je pense que le souvenirs sont jaune et le corrects. rouge devaient être inversés. Ouais. Et c'est même sur toutes les statistiques en dessous, donc. Ouais, là aussi on a un souci, tu vois, parce que... Ah si, on était parti en soft avec lui? Oui, on Non, avait non, fait non. le... Si, on avait fait le pari du soft pour voir ce que ça donnait, et puis Ah on est oui, passé en juste. intermédiaire après. Donc c'est la bande de couleur qui n'est Ouais. pas correspondante exactement. Là où on a perdu, c'est quand on est passé en intermédiaire ici, on aurait dû faire le même choix que là, Ouais. c'est-à-dire passer en soft. Et là, on aurait fait un doublé, je pense. Mais bon, tu reviens quand même de 7, 7 et 13e place, je pense. 7 et 14, je pense. 5 et 4. On était... Non, on était 17 et 14 ou 13, un truc comme ça. Donc ouais, c'est plutôt... Attends, on va le savoir, regarde. Regarde, regarde, résultat de l'épreuve. Avec ce Voilà. tableau... Attends, c'était où? On a gagné Position 2 places. tracker, c'est là qu'on va le voir, si le jeu plante pas. Regarde ce Oh, joli schéma. comme c'est complet. Non, mais c'est pas mal, Donc tu sincèrement, c'est peux pas mal. tout désélectionner, regardez juste tes pilotes. Tu vois. Oui, donc on partait. Alors, comment ça se lit? Ça, c'est la position. Nombre de tours, position. Donc pour moi, tu étais parti en pôle avec Arbeloa. Non, c'est Bah pas ouais, donc possible. ça colle pas, il est pas parti en pôle, ça c'est une Non. certitude. C'est plutôt le nombre de positions qu'ils ont gagnées, non? Je pense, ouais, l'évolution du nombre de places, plus ou moins. Ouais. Ce qui ont l'air d'être plutôt par ordre. Ouais. Driver. On a les temps aussi, c'est très complet au niveau des temps. Il faut regarder le replay du live, hein, pour savoir d'où on était parti. Ouais, non, mais on était 17 et 13, il me semble. Oui, quelque chose comme ça. Les commentaires. Succinct. C'est pas mal d'avoir aussi un peu ce qui s'est passé tout au long de l'épreuve. Changement de météo et tout. Non, c'est pas mal. Ça avait passé des choses. Green flag. En deuxième partie. Ouais. Il y a vraiment tout. Tire history. Ok. Bon, allez, on va continuer. Alors, regarde le fameux moment. Bon, ça, c'est la sauvegarde. Scrutineering. Aucune règle violée. Très bien, je n'ai violé personne. Tout va bien. Ce Mais qui tu devrait vois, pas être trop compliqué à la base. regarde, risk of rule break known. Donc j'ai une voiture qui est tout à fait conforme. Conforme. Donc On tu ne ne travailles triche pas pas. pour Benetton, On ne évidemment. triche pas chez nous. Bah, j'ai pas triché. La voiture, elle était Maintenant. comme ça quand on me l'a livrée. Tu m'as dit Et tout le à l'heure, je bois, il t'aime n'était pas. pas la beauté sous la voiture, c'est pas ma faute, Non, hein. c'est pas rien, c'est la piste, la beauté de la voiture. C'est pour ça qu'elle est plus légère. Oh là là. Hein. Alors, change En même temps, il stop. l'a payé cher avec 3 années derrière avec Jean Alési. Bah, t'es puni. Alors, Évidemment. tire standings. Donc, tu vois là où tu vois aussi le résultat sur la saison. Ah. Vu d'ensemble. Bah, P1, P2, donc ça va. Hein. Ah, mais il n'y a pas encore Singapour. Il n'est pas ajouté ce que tu viens de Non. faire. Il fait Donc l'Allemagne juste normalement. avant. Je sais plus si c'était Hockenheim ou le Nure. Alors, tu vois, Singapour, track day, décélération essentielle, virage à faible vitesse essentielle, vitesse de pointe utile. Et les prédictions pour le temps, elles ont été bien Alors, faut foireuses. virer le mec de météo Météo Ouais. France là parce qu'il a rien de bon. Fuel burn rate high, tire. Ouais, t'as les pneus. Et puis tu as les Very high. pneus disponibles aussi pour cette 19 course-là, tu tours. vois. Et j'ai vu tout à l'heure dans la carte aux pneus, enfin la carte aux pneus, le compte rendu des changements de pneus, que tu avais aussi les hard dans les icônes en dessous. Donc ça répond Ok. à la question qu'on avait tout à l'heure de savoir s'il y avait des Et pneus quelle hard. magnifique animation de trophée digne des meilleurs Tokares drivers. Non, sans déconner, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. C'est sympatoche, ouais. Et comme tout bon président, ton patron tire la tête. Et n'a plus de cheveux, à force de se les arracher. Voilà, alors, ouais, et ben écoute, mes deux Bah, pilotes du sont coup, en pas tête du mal, hein. championnat, et puis j'ai même mon second pilote, enfin mon espagnol qui est passé devant. Très très bien tout ça. L'écurie, évidemment, en bénéficie pleinement, après 4 manches. Et puis là, on a toutes les félicitations, tout ça. Vous êtes les meilleurs, vous avez même pas Voilà, triché, donc c'est victoire incroyable. durement gagnée. Ah oui, avec 85 secondes d'avance, effectivement, c'était durement gagné. Ouais, mais il partait pas gagnant, je suis désolé, Non, monsieur. c'est vrai, c'est vrai. Non, non, il fallait sortir du peloton, il s'est pas bien dépassé. Il est très inconstant, donc non, non.
Alors, est-ce que du coup, il va gagner en confiance avec ses victoires, etc. Ça risque de changer un peu ses stats. Alors, normalement, on le voit en revenant justement à l'écran d'accueil avec des petits chiffres. Qui... Voilà. Les temps de chargement sont plutôt jolis, hein. C'est bête, mais le design des monoplaces ouais, est plutôt. Tac, il a gagné, tac, et hop. Ok, d'accord. Il n'a pas roulé à gagner en expérience. Ce qui est intéressant, puisque c'est le cas dans la réalité. C'est pour ça qu'on embête les troisièmes pilotes à être présents dans les stands pendant les courses et qu'ils apprennent. On salue Carmen Jorda. Et ton patron, est plutôt, ça va. Il va mieux. T'as remonté un peu la barre. Ça commence à aller. Voilà. Expected result second, you came first. Donc il va pas commencer à râler. Et là, tu vois, dans le niveau de relation entre mon pilote et mon mécano, on passe de niveau 1 à niveau 2, ce qui me permettra d'avoir de nouvelles améliorations, en fait. D'accord. Et tu as, selon le mécano que tu vas engager, tu vois, l'écart ici entre les deux améliorations ne sont pas les mêmes. Donc là, il y a légende des arrêts au stand. Tous les arrêts au stand durent une seconde de moins. Voilà. Et là, c'est quoi ? C'est pareil, c'est pour les arrêts au stand aussi. D'accord. Écoute, c'est pas mal. Est-ce que ce serait possible d'avoir un ingénieur que tu gardes plusieurs saisons et qui, avec un nouveau pilote, lui apporte déjà plus d'expérience ou ça repart à chaque fois à zéro dès que tu changes le combo pilote ? Bah ça, je sais pas. J'ai pas encore suffisamment de recul et d'expérience par rapport à ça. Oui, c'est vrai que, pardon. Je viens de m'en rendre compte. Non, mais je sais pas si t'avais déjà testé ou eu des. Bon, j'ai pas joué autant que j'aurais voulu. Les journées ne font malheureusement que 24 heures. Tu le sais encore mieux que moi. J'adore le commentaire du président là. J'aime voir cette façon de gagner de l'argent. Oh, c'est un patron quoi. Paiement du président 750 000 euros. Récompense en argent, gnagnagna. Sponsor, voilà, 1,5 million. Alors, arrivée de super connard sur le chat, est-ce le vrai? Il y a la bonne police, il y a le. C'est écrit correctement en effet. Le bon icône. Et comme on est des super connards, on va pouvoir les dire qu'on va bientôt arrêter. Ah, et il faut qu'on se couche tôt, nous on est vieux. Surtout voilà. Moi. Donc ça, tu l'as déjà vu, cet écran-là. Il y a un pilote colombien, c'est génial. Ça, c'est le championnat du monde, en fait, qui s'est tenu sur le même endroit. On a les résultats en même temps. Tac. Ok, on va revenir. Voilà, et puis on est à nouveau sur l'écran d'accueil. Il y a un centre de télémétrie, puis la fiabilité, etc. Voilà, et ça continue, et ça continue. Il y a encore plein de choses à découvrir. Et ce que tu as à découvrir, il te le met ici, là-haut, tu vois. Les messages non lus, tu peux découvrir en cliquant dessus, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ? Octane Racing d'entraînement, je m'en fiche. Lutte de qualification serrée, on s'en fiche aussi. Course à domicile remportée. Ah, bah oui. Oui, bien sûr. Pour un espagnol, c'est logique. L'espagnol, il n'y a pas... Attends, je réfléchis. New personality added, gagne des courses à domicile. Vachement bien ça. Bah oui, surtout quand c'est pas à domicile, quoi. Non, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on est sur la version alpha, mais avoir ce genre de feature, c'est chouette, quoi. C'est pas mal, effectivement. Bah attends, ouais. Tu sais, comme Senna rêvait de gagner chez lui, motivé comme il était. Il a fini avec un bras dans le plat, quasiment, pour y arriver, donc oui. J'ai regardé, d'ailleurs, le film, hein, et j'ai à peu près le même avis que toi. Ah oui, c'est de la propagande. Bah, c'est dommage qu'ils aient pas équilibré un petit peu, parce que ça aurait été vraiment chouette, mais... Mais il faut savoir qui a fait le film, et ce sont des... des gens proches d'Ayrton, donc effectivement l'orientation neutre aurait été difficile à tenir et ils y sont pas arrivés du tout. Alors tu vois là, on évolue un peu condition work down, ça veut dire que toutes les pièces qui étaient abîmées là sont à nouveau reconditionnées et puis prêtes à fonctionner correctement. Et ton usine doit avancer un petit peu aussi, ton siège là, ta soufflerie quasiment. ma soufflette. Alors je sais pas si c'est le... Attends, voir. Je sais pas si c'est le vrai. Non, c'est pas le vrai. Non, il y a un fake. Alors, c'était tiens, pour ça justement. Me permet de tester un truc. Est-ce que je peux modérer ? Donc, toi, tu n'auras plus le live. Je découvre le magnifique bureau de Dopa. Ouais. Vous avez une image qui s'est sans doute figée. Et puis moi, je... Ah non, c'est pas ça que je voulais. Avec des dossiers plus... ah, comment on dit ? Innommables les uns que les autres. Je plaisante, ouais. Évidemment. Bon, de toute façon, c'est le moment justement de stopper et puis on va voir comment... J'apprends, hein, parce que sur Facebook, sur YouTube, justement, ça permet d'avoir une qualité de diffusion qui est meilleure. Oui. Et, ce genre de choses sur le chat... Hop, 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 bloquer automatiquement les spams. Ce qui est horrible, c'est que j'ai des modérateurs sur le chat qui n'ont aucun pouvoir ici, malheureusement, mais qui sont des gens de confiance. Hein, eh bien, si je leur avais donné sans problème, le souci, c'est qu'il faut savoir comment faire ici. Et comme on est sur YouTube. Par contre, faudra voir, hein, peut-être sur le replay, en tout cas sur le live, c'est peut-être au niveau de la qualité intéressant quand tu as des streams à faire, quoi.
Alors, qu'est-ce que j'ai reçu comme message? Parce que pendant ce temps, ça a évolué. Le Message monde dans tourne, le évidemment. Telemetry Center Building Complete in HQ. Voilà. Level 1 of 3. On a mis la peinture. Ouais. Et donc j'imagine que tous les terrains autour peuvent grandir, grandir en fonction Ah bah, à de... chaque fois que tu construis quelque chose, alors tu regarderas, il y a des vidéos de Motorsport Manager. Et sur les vidéos, ils te montrent un petit peu ce que peuvent devenir tous les bâtiments. Donc au début, tu commences avec déjà des structures qui sont correctes. Hein, mais hop, dis donc, upgrading unlocks, je peux mettre à jour et je vais avoir du épique. Ah tiens, je vais te montrer ça. Quand même, avant, sur mes voitures, je peux designer de nouvelles pièces. La transmission, je pense que j'ai mieux là, tu vois. Hop, j'ai trois niveaux de transmission maintenant. Accélération, la zone rouge va descendre un petit peu aussi. Tac, sur du average, sur du good. Temps de construction, moins un jour. Donc tout ça, ça s'améliore. Par contre, combien ça me coûte? Ça me coûte quand même 1 million, plus d'un million d'euros. Et j'ai une balance qui est à 2 millions. Donc il faut faire attention dans ce que tu dépenses, tu vois. Faire tes choix sur les pièces que tu vas installer. Est-ce que tu peux passer en budget négatif? Je ne sais pas si tu peux emprunter et si tu peux fonctionner comme ça. Parce que généralement dans les jeux où on peut passer en négatif, genre City Skyline ou des choses comme ça, moi je me ruine en 5 minutes, hein, parce que je ne sais absolument pas gérer un budget dans un jeu de gestion. Mais assez intéressant de voir ce que tu peux concocter avec tes nouvelles installations, c'est plutôt pas mal, hein. Mais bon, ta voiture n'a pas réellement besoin pour l'instant de budget Non, puisqu'elle est assez performante, c'est et puis plus... tu vois là aussi sur la voiture l'équilibrage en fait de ses performances. Elle a un super aileron à l'avant. Le Moteur, compartiment ça qu'il va. faudrait éventuellement améliorer, ce serait ça, mais on est quand même au-dessus de la Au-dessus de la moyenne. moyenne. Moi, ce qu'il faudrait surtout que je fasse en fait, même si mes pilotes se comportent plutôt bien maintenant pour préparer l'avenir, c'est d'avoir de meilleurs pilotes. Parce que quand tu regardes l'équilibrage, je suis Le quand même patron très qui dit très que j'ai bas, besoin de quoi. meilleur de pilote avec P1 et P2 au général après 4 courses. Bah Faudrait faire ouais. quand même un effort, les gars, parce que... Bah Mais c'est ouais, vrai mais que bon. oui. Et si tu veux un bon feedback sur ta voiture et les évolutions que tu apportes, il faut que les pilotes savent te parler, donc... Alors, petit détail qui n'a m'a frappé que moi, mais ton lead designer, donc qui est celui qui conçoit les pièces et la voiture, s'appelle Barnard. Serait-ce un hommage à John Barnard, le grand designer des Ferrari Ah des années ouais. 90? Bon, sans doute, hein, les gars. Les gars sont allés. Je t'invite à aller voir aussi les vidéos de Les dev. Dev Ils ont, Diaries, ouais. ouais, ils en ont deux là qu'ils ont sorti, trois ou trois même, je crois. Et puis en dehors de ça, les développeurs, donc la quinzaine, sont allés dans une école de mécanique. Je sais pas si c'est à Londres, mais en tout cas, c'était en Angleterre. Et justement, ils ont discuté avec les mécanos, avec les pilotes, avec tout le monde pour essayer d'avoir leur ressenti sur le jeu. Donc, de toute façon, ça baigne dans la culture qui va bien. Mais on sent que c'est fait aussi par des passionnés, parce qu'il y a des détails que certains développeurs, si je puis dire, n'auraient pas forcément mis autant en avant. Là, on a quand même un jeu de gestion qui est à la page, c'est-à-dire enfin, à jour, quoi. Tu as des gestions de pneus qui correspondent à ce qu'on a dans la réalité. Pour ceux qui sont peut-être un peu moins fans de sport auto en tant que tel, mais fans de Formule 1, tout ce qui fait la Formule 1, il n'y a plus grand-chose malheureusement, mais que ce soit la gestion pneumatique, l'évolution de la voiture, etc., tout est assez... Allez, c'est en concordance avec ce qu'il y a dans la réalité, donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas un jeu de gestion qui a des règlements qui ont 2, 3, 4 ans et qui sont un peu à la ramasse, ne fût-ce que dans le design des voitures, c'est peut-être bête, mais là pour le coup je suis assez convaincu, limite envie d'y jouer pour le coup, mais le problème c'est que j'ai des heures de sommeil à rattraper, ça ne m'aiderait pas. Mais j'y avais passé quelques heures, mais très très peu à l'époque de la version mobile, il y a quelques mois. Mais oui, c'est prometteur en tout cas pour une première sortie. Après, ça n'a pas l'air d'être trop buggé pour une alpha. Je trouve ça plutôt complet. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ben, pour une alpha, je trouve ça déjà pas mal du tout. c'est Alors, vraiment correct, ouais. à l'échéance, moi je me serais attendu quand même à une bêta. Il y aura peut-être pas mal de bugs qu'on va découvrir, style la couleur des pneus qu'on a vu tout à l'heure, comportement des voitures parfois un peu étrange, les temps notamment en qualification, parce que l'Allemand là qui était en tête, il nous mettait quand même 6 secondes au tour. Il y Oui. a une très très grosse différence avec la course où il s'est bien vautré et où il était même moins performant en temps pur, puisque j'ai fait les meilleurs temps sur les trois secteurs là avec quasiment les deux voitures. Donc tu vois, il y a peut-être un équilibrage aussi à travailler là-dessus. En Il y a fonction de du l'évolution de la piste, ouais, mais... il y a ça. Et puis le grand truc qu'on attend, mais ça je pense que ce sera l'évolution dans l'année prochaine et qui va
vraiment faire fonctionner les jeux, parce que je pense que s'il reste en standalone comme ça, il sera déjà bien. Mais le truc qui sera vraiment vraiment super, c'est si tu peux avoir des trucs online, quoi. Championnat online avec des Ah oui, mais ça, ce contre des serait joueurs humains. formidable. Alors ça, ce serait démentiel, quoi. Et c'est ce qui se passe avec Football Manager et ce genre de choses. Et c'est pour ça que le jeu a pris aussi vachement et qu'il y a une communauté autour, quoi. C'est vrai qu'avoir des courses en temps réel avec voilà, une gestion, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui s'intéressent quand tu vois, oui, effectivement, que le jeu de football le plus vendu, c'est pas FIFA ou PES, c'est Football Manager. Donc, et c'est intéressant aussi parce que ça montre un côté gestion, parce que les jeux de gestion, c'est un genre assez oublié, je pense, par la jeune génération, en tout cas la mienne, les jeux de gestion, à part, comme tu dis, peut-être un Football Manager. Donc c'est vrai que ça pourrait. Il y a une mode qui revient un peu de gestion, parce que les gens ne savent plus gérer leur vie, que ce soit IRL ou in-game. Donc, mais c'est bien de réapprendre à gérer, que ce soit une évolution, un budget, etc. Et c'est. Ça n'est pas chiant pour parler français, peut-être même vulgairement. Ça n'est pas quelque chose d'embêtant à faire. C'est même très prenant et il suffit de trouver un jeu de gestion dans le domaine qui vous plaît. Moi, je me rappelle des thèmes hospital, enfin de genre de jeux qui étaient bêtes, Game Dev Tycoon, qui était aussi excellent. Donc, je pense que un vrai bon jeu de gestion d'équipe de voiture, ça peut être sympa. Et puis, comme il y a eu déjà des suggestions sur le chat, avec pourquoi pas de l'endurance. Bon, l'endurance, ça risque d'être peut-être plus Ouais, compliqué. rajouter des modes, Mais effectivement. oui, voilà, modder des voitures et. Aussi, endurance, ça peut parfaitement être gérable parce que tu peux accélérer le temps à peu près comme tu veux. Donc, Dans ce cas-là, oui, effectivement, au j'avais niveau des pas vu ça comme stratégies, ça. et puis tu récupères des données en même temps pendant la course et tu vois comment se comporte ta voiture Voilà, et comment ça ça change. Ça peut peut. être encore beaucoup plus intéressant, je trouve, même que la F1. Mais Ouais. ouais, il peut vraiment y avoir plein de trucs. Alors là, je passe vite fait pour être un peu plus complet sur les paramètres vidéo, hein. L'anti-crénelage, ça je vous laisse, c'est des choses que vous connaissez aussi bien que moi, mais ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui est Comment tu tournes toi aussi sur le jeu, hein, configurable. Oui, en ouais, donc en Oui, je me 1050. demandais justement la longueur des courses. On a fait 19 tours et j'ai rapidement vu. Oui, Je pouvais avoir des. tu peux changer la longueur des courses. Voilà, on peut passer de faible, moyenne à élevée. D'accord, les infobulles, paramètres de sauvegarde. Je rejette un petit peu un Ouais. œil, pardon. Alors, Ah, tu vois, ça. finance négatif en dessous. Est-ce que tu peux activer le fait d'avoir des impayés? Finance. Alors, le problème, c'est que là, ça bug. Alors que Ouais, c'est d'habitude, peut-être pas j'ai encore des. géré. Non, mais il se trouve. J'ai mis les gens en français. Alors, si je le mets en anglais. Non. Français. Oui, généralement il y avait ça, je me rappelle, sur un ancien Forza ou sur certains menus de multijoueurs, tu n'avais pas en français la traduction des Là j'ai affichages. perdu des choses là. Alors je vais confirmer, je vais réessayer. Tac. Ah non, ça a disparu définitivement. Bien, Hop. je viens de faire bugger le jeu, donc je serai bêta-testeur sous peu pour Motorsport Oui, bah de toute Manager. façon, ce sera des choses qu'on leur fera remonter. Tu vois, il y a des petits soucis là de mise en page, Oui, d'alignement, oui. puisque la traduction française aussi mérite quelques ajustements. Mais oh, tu sais, Et fin tu vois. 2016 est sorti avec temps tourbisé, hein, ça n'a gêné personne chez Codemasters, donc. On parlait du côté communautaire, etc. Tu vois, tu as en bas des onglets Nouveauté, nouveautés, discussion discussions sur Steam. Steam, le Facebook, le Twitter. C'est vrai qu'un petit ranked Steam peut être sympa aussi avec tes amis. Faire des Bah, compétitions tu sur vois, Steam, genre. j'adore ça, tu vois. Les remerciements des crédits, c'est plutôt pas mal. Les remerciements spéciaux, il y en a quatre. Non, 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 non. Serait-ce les personnes qui ont le plus donné pendant le crowdfunding, s'il y avait. Je pense qu'à la base, il était Alors, il a été kickstarté, ouais. starté, donc. Parce que c'est comme ça que j'en avais entendu parler au tout départ, mais c'est qu'effectivement, il y avait un soutien d'une certaine communauté qui a grandi. Et puis Sega s'est dit, ouais, allons donner un coup de main à ces gens-là. Et ils ont bien raison parce que c'est propre pour l'instant. Bah, tu Pour vois, une alpha, ils c'est sont pas vraiment pas. nombreux, je crois que j'avais dit une quinzaine, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, j'en étais pas loin, hein. Plus ceux qui donnent un coup de main pour faire le café le matin, et voilà, vous y êtes. Comme quoi, avec du talent et des idées, hein. Comme dirait l'autre, on n'a pas le pétrole, mais Ouais. faut pas être énormément de monde pour savoir faire quelque chose de bien plus correct et bien plus fini que certaines boîtes qui ont des millions. Les Alors, Ardennes, évidemment, puisqu'on ne donne pas les le nom de Ardennes. Spa-Francorchamps, ce sont les Ardennes Ah belges, ben tu vois, évidemment. les Ardennes ne sont même pas disponibles, il n'y a pas tous Et les Madrid au satellites. Portugal, bien entendu. Pas de problème. Tu vois, Doha, Singapour. Alors Munich, on va voir le tracé de Munich parce que. Ah oui, montre-moi un peu les tracés. Oui, c'est du Nürb. Ça, c'est le Nürb. Le troisième secteur, je vois le Nürb, moi. Ouais. Alors ça c'est Suzuka. Putain. Ça c'est Suzuka, bien Suzuka. évidemment. Oui. Milan, c'est Monza, ça. Oui, ou un Worms qui va mourir, mais sinon. Stupid. Bon, Pékin. Ça, c'est Shanghai, mais la version courte au WTCC. Ouais. Et puis ça, c'est. Dhabi. Comment? Abu Abu Dhabi, Dhabi. oui, Hein. Yas Marina. Yas Marina, voilà, c'est ça que je cherchais.
Singapour. Bon, allez, Chuck, puisque tu es là, on va juste te montrer vite fait. Tiens, on va se mettre à Munich. Et t'as vu, regarde les on courses va faire là. Un sport si tu On sais. Hein. Pourrait aller à 60 tours. Hein. Mais c'est pas, je oh, peux 60 pas. tours. Je peux Ah, pas, tu peux pas, regarde. tu n'as pas encore. Tu as d'abord le. Pardon, le Non, run. mais regarde, il y a une légère différence de teinte. Oui, Et il y en a puis, encore. ces circuits-là ne sont pas disponibles encore. Donc, je ne peux aller. Tu as quand même la mer Noire. Et ça, c'est très bon. La mer Noire. Tu as la mer Full Noire. race weekend, race only. On va faire la course seulement. Grid option random. Tac, Sabine, c'est quoi ça? Sec, mouillé. On va partir sur le sec. Ah, regarde, t'as même les variations de tracé. Ça, c'est bon, ça. Excellent, ça. Bah, Très toujours un très jeu bon. plus complet que Dirt Rally en termes de nombre de tracés, hein, évidemment. Allez, regarde la tronche des voitures. Ah, elles sont plutôt belles. Elles Catégorie sont World plutôt belles. Motorsport Super Cup et l'European Racing dans laquelle j'ai commencé la carrière. Mais ça n'est qu'un changement de livrée, hein, de toute façon. Je vois que niveau aéro, il n'y a pas de changement J'ai pas d'esthétique. l'impression que ça change énormément en effet. Allez, on va se mettre en World. Hein. Donc on y est. Bah oui, hein, quitte à. T'as envie de faire les Oui! si quand même, elle a pas la même gueule. Alors attends, est-ce que moi elle charge si je puis te demander un instant? Ouais, l'aileron est Ah non, plus. elle est beaucoup plus longue sur l'avant que l'autre. Ah oui, effectivement. Oui, mais le parti cockpit, la crashbox est plus longue. Ouais. Par contre, il faut élargir les pneus à l'arrière, ce serait bien pour Oui. la proportion de la voiture. Là, il y a une C'est sale peut-être du gueule, ouais. détail, T'as mais. tout à fait... Non, t'as tout à fait raison, là. Je comprends que l'autre pilote se plaignait de manque de grip à l'arrière avec les Alors, pneus pareils. tu vois, quand je te parlais des écuries reconnaissables, la Scuderia Rossini, on se demande vraiment ce que ça peut être comme équipe. Le logo n'est pas du tout. Ça rappelle les, tu sais, comment dire, les contrefaçons que tu trouves sur les marchés vite fait, tu sais, Ouais, genre les trucs chinois de Aston balle. Martin C'est ça. ou Monster. J'ai eu des casquettes Monster en Espagne, c'était très drôle. Steinmann Motorsport. Tac, allez hop, on va gérer l'équipe. C'est parti. Vite, vite, Alors le vite. temps de chargement avec le logo de l'équipe, c'est pas bête, c'est bien foutu, je trouve. Ouais. C'est du détail, mais ça fait plaisir. Ouais, ça fait toujours. Alors, tu as Maxime qui te demande si tu vas rester sur Twitch ou passer sur YouTube Gaming. Je pense que toi, tu vas rester sur Twitch. Je vais rester sur Twitch pour l'argent, évidemment, puisque c'est la seule chose qui me motive. Non, pas du tout. Mais pour l'instant, je suis sur Twitch. J'ai créé une bonne communauté sur Twitch. On est plus de 1800 followers. Donc je sais que c'est l'endroit pour les lives. Donc on va y rester. À moins que eh bien, l'application Xbox One continue de bugger. Et dans ce cas-là, je passerai par un outil de capture pour repasser sur PC. Mais pour l'instant, bah, on est bien sur Twitch. Enfin, moi, j'y suis bien pour l'instant. Donc. Ah, le seul défaut, je dirais que c'est le fait que les viewers puissent pas changer la stabilité comme ils l'ont Eh oui, prévu. mais ça, c'est la faute des viewers eux-mêmes. Ils n'ont qu'à être plus nombreux et ils auront ainsi le choix de jamais se remettre en question, tu Ça sais. coûte cher? Devenir premium, je ne sais même pas si c'est possible. J'avais eu des promesses d'une certaine personne à une époque Oui. d'upgrade de chaîne. Je ne savais pas que c'était possible au-delà de Twitch même. Et je crois qu'il fallait quelque chose comme 500 abonnés et 150 viewers constants pour passer en premium. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de chaînes que je vois qui ont peut-être 1000 abonnés, etc. Donc je ne me suis pas renseigné auprès de Twitch même, mais ça ferait plaisir puisqu'on diffuse des courses de différentes sources, mais. Ah, mais moi je croyais que c'était en fait un petit peu comme pour XSplit et que tu payais une certaine somme pour que t'aies. Je crois que ça doit être possible auprès de Twitch de devoir payer pour upgrader ta chaîne, mais moi je ne suis pas capable. J'essaie de remonter là, tu vois, il y a des petits soucis d'ergonomie aussi là. Oui, je vois que oui, ta molette n'est pas. J'ai eu un début de Végéta, ta molette n'était pas. Très mauvais mon Végéta, je ne Tu sais vas pas si mourir. t'as. Mais Non, elle a ça reconnu ressemblait ça, presque, elle oui, a ça l'air. ressemblait presque à Larson aussi, tu sais. Oui, Larson. c'est la même voix. Alors, hop, on s'en fout, c'est juste pour montrer la course. Allez, hop. Aucune stratégie. Non, mais c'est Chucno qui voulait voir un petit peu. Et justement, tu es sur la fin du live, malheureusement, Chucno 33. Et si tu veux notre avis sur le jeu, il est plutôt prometteur, effectivement. Il fallait pas regarder Secret Story. Et bien... Alors. And it's go, go, go! Non, pardon. Ah, c'est marrant, on a perdu le son tout à coup. Et du coup, là, t'as d'autres pneus. T'as les médiums. Alors, c'est des hard en orange. Oui, c'est ça. Donc, t'as hard, médium et soft. Alors, si je ne touche à rien, tiens, je vais accélérer le temps et ne toucher à rien. En allant au bout, si d'eux-mêmes ils savent se. Je crois Ouais. qu'il y a deux pilotes féminines ou c'est une erreur de. Alors, non, je pense que mon Chapman, le pilote qui est 11e, je pense que c'est un homme. Et à Ah oui. Holtz, par contre, ça ressemble à une femme, effectivement. Puisqu'il y a des cheveux longs qui tombent sur les épaules.
Bon, ça n'est pas un gage de sécurité, non, mon cher Vincent. J'allais dire, on ne sait plus où on en est aujourd'hui. Tout fout le camp. C'est ça, c'est des vieux cons, tu sais. Avec les vieux réacs. Exactement, avec les vestes en velours. Ah, puis avec tout ce qu'ils nous envoient dans le ciel, oh là là. Avec les vestes en velours et puis les protège-coudes. Oh mon dieu. Oula. Tac, alors, ouais, pour en revenir aux considérations entre Twitch et YouTube, là sur YouTube, je balance en 6000K pour le flux. Pour la je qualité. Crois que je suis en 2200 là, sur Twitch. Voilà. Ça fait la différence. Alors que je pourrais streamer en 4-5K, je pense, facile, avec ma connexion. Alors c'est bien, ça te permet d'avoir des retours et puis de gérer d'autres choses à côté aussi, hein, pas bouffer toute la bande passante. Ouais. Alors. Et parce que je stream des courses en multi, donc faut quand même un petit peu de connexion pour pas avoir 300 de ping pour mes amis en piste. Alors, la météo. Tac. Et là, on va bien voir la gomme qui s'accumule sur la piste. Tu vois, là, ça grimpe. Franchement, condition météo. Par contre, l'architecte qui a conçu le circuit, il savait gérer l'espace. Hein. C'est absolument parfait. Le circuit est plutôt beau, non? Je dis ça sincèrement, c'est plutôt intéressant. Et là, il n'y a quasiment pas de ligne droite, c'est que des courbes, hein, c'est que des virages. Autre chose que j'ai constaté, c'est que en fonction de la température, par exemple, là, le hard, c'est peut-être pas un bon choix, parce qu'il ne va pas monter en température correctement. Quand il faisait très très chaud, j'ai déjà vu des pneus qui s'usaient beaucoup plus vite que ce que j'avais l'habitude de voir sur des pistes, justement, à 18-19 degrés, sur des circuits où j'étais à 30-35 degrés, ce qui est assez cohérent. Et je trouvais ça plutôt pas mal justement de te dire ah oula on est à 30 degrés, on va mettre du hard, on aura presque des performances de soft si on fait ça. Ou au contraire, 18 degrés, bah, on peut aller sur du super soft. Et ça tient suffisamment. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il nous fait 7. On va juste gérer 10, pas faire 10 tours. Alors j'en ai une qui va s'arrêter plutôt en soft. Et vive le sport comme disait Holz. Et vive le sport. Abonnez-vous. Vive le sport, il serait sur YouTube, t'imagines. Abonnez-vous. Ah, on a déjà eu Julien Lepers en commentateur de League of Legends, hein, alors pourquoi pas Gérard Rolls en commentaire de Pro Cycling Manager. Moi, je demande de voir avec avec Mister MV, ça pourrait être très drôle de voir un Tour de France avec Gérard Rolls. Allez, on va réparer ça tout de suite. Et puis, on est des oufs, je vais les mettre en rapide pour les arriver au stand. Commence à faire un peu plus nuageux là, au niveau de la météo, mais pas de pluie. Non, pas de plus. Que des passages. La température, fort logiquement, baisse un petit peu avec la présence des nuages. Ouais, typique météo allemande, hein. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Genre, t'as pas 2 degrés à Dubaï, enfin, je pense pas. C'est plutôt cohérent aussi de ce côté-là. C'est tout à fait cohérent, effectivement. Je regarde les écarts sur leur tour, le rythme, consommation. C'est plutôt. Non, sincèrement, il y a énormément d'informations sans être intrusif. C'est-à-dire que tu peux quand même voir ce qui se passe en piste, même si c'est. Pas vraiment utile, hein, on va pas se mentir. Voir les voitures en piste n'est pas forcément le plus utile. Non, mais ça partage utile. Quand même, ça participe beaucoup, je trouve, quand même. Mais c'est, voilà, ça n'a pas été mis de côté au détriment de la gestion, et c'est plutôt cool d'avoir tout ce qui se passe. Même quand un pilote a un message pour vous, voilà, ça prend pas les trois quarts de l'écran, ça ne met pas le jeu en pause, ça reste quand même plutôt bien géré, je trouve. Alors après, je pense pas que ça va beaucoup bouger, malgré que ce ne soit qu'une alpha au niveau de l'habillage, peut-être quelques rectifications, comme tu disais, de texte, etc. Mais au niveau de la proportion, je trouve ça très très bien fait, pour le coup. Nelson Mofort en commentateur de Mario et Sonic au JO, ce serait très drôle. Alors, écoutez, Mister Sonic, it is an amazing course au jeu today. And the blue horizon is coming. What a wonderful straight. Et puis pour l'interview, ce serait formidable aussi. Ah oui. Alors. Sonic à l'interview avec Monfort, il tiendrait fou. Il tiendrait pas le coup. Alors, qu'est-ce que c'est? Speed est plus 0%. Ah oui, tu as les indices quand même, tu vois, les qui te. Ah, et le rythme par rapport si tu changes de gun, c'était. Le pace qui varie. Je vais remettre des médiums, il ira jusqu'au bout de la course comme ça. Et puis le fuel, on va le laisser gérer tout seul. Ça aussi. Et voilà, on va le mettre en rapide parce que je suis un malade. La PTL. Cinquième. En changeant pas trop de trucs, là je lui dis d'attaquer pour qu'elle finisse de bouffer ses pneus. Alors toi qui as le son du jeu, est-ce que tu trouves que. Je sais pas si on entend bien les moteurs, est-ce que c'est pas trop intrusif au niveau du non, son? Non, mais j'ai monté le son à fond là, du jeu. Quand je m'approche, le son est un peu plus fort. Ça ressemble plutôt à des moustiques, hein, les sons. Ouais. Mais bon, est-ce qu'on est sur variable. Du V6 hybride ou à l'ancienne? Un peu plus V8, V10 ou c'est, oh, ça reste... non, c'est plutôt du V6. Hein.
D'accord. Parce que c'est bête, mais ça peut intéresser, parce que moi j'ai pas donc le retour du son pour ceux qui n'avaient pas suivi. Je pense que c'est aussi un compartiment qui vont peut-être améliorer, parce que tu sens qu'il y a des choses qui sont pas très cohérentes au niveau de ce son-là. Mais... D'accord. C'est bête, mais ça fait partie de l'immersion. Hein. Un problème moteur, l'entente. Regarde le stand, ouais. La voiture, elle s'est mise en marche avant dans le box. Et ça se faisait sur certains circuits, hein, encore à Knock Hill en Angleterre, en BTCC. Les garages sont en épi. Ah, ouais, mais je crois que tu peux soulever les voitures. Oui, il y a des jacks, oui, bien sûr. Passage en troisième se fait difficilement, elle me prévient. Écoute, passe en quatre, écoute. Débrouille-toi, voilà, fais quelque chose. Do something. Alors, lui, je vais peut-être lui faire attaquer ses. Oula, attends. Elle, faut que je la calme, parce que sinon, elle va bouffer ses pneus aussi, toujours tout de suite, très vite. Et puis. On sort pas mal au niveau des points là. Ouais. Enfin, au niveau du classement, ça va encore. Sixième, elle, je vais la faire finir avec des super softs, je pense. Alors, petit détail, mais qui est assez intéressant, si vous regardez bien, sur le circuit, vous avez les différents layouts, les différents dessins qui sont toujours là. C'est-à-dire que le circuit ne change pas complètement. Il y a vraiment les autres parties déjà faites dans le monde. Je sais pas si tu as déjà. Ah oui. C'est peut-être bête, mais dans le réalisme, oh là, l'entrée des stands de Madame Holtz a été compliquée. Allez, je découvre le passage au box. Oui, c'est vrai qu'ils ont un très bon pignon de marche arrière sur ces monoplaces, parce que c'est sa boîte à crabeaux, c'est. C'était assez fort là, quand elle est rentrée. Ah, j'ai pas de super soft, mais je vais lui mettre des soft. Et puis on va réparer cette chose là. Cette chose appelée le moteur. C'est l'aileron avant. Ah pardon. En l'occurrence, là, t'as effectivement un peu de décalage, je pense. Non, c'est que j'ai une mauvaise vue. Je te rassure, c'est pas le décalage, c'est la vue qui est aussi. Aussi. Il rentre au stand. On va lui demander d'attaquer pour essayer de gagner du temps. Piste plutôt gommée, c'est pas mal. Ah là, c'est très très gommé là. Tu vois, je me mets sur la gomme. Ça se voit pas encore de trop sur la piste. Hein. La trajectoire est pas noire, mais. Alors, je vais essayer de zoomer. J'ai remarqué que le zoom fonctionnait surtout quand tu mettais en pause pour qu'on voit s'il y a des différences justement. Alors, nouvel arrêt au stand. Et tac. Toujours la même histoire. Ah, mistake, tu vois là ils se sont plantés. Le pit stop a duré 12 secondes au lieu de 6. Tu verras que. Il y a un des 4 pneus qui n'est pas. On a perdu 3 secondes en fait par rapport au temps prévu. En prenant ce n'est pas excessif. Non. 3 secondes pour un problème de pneus, c'est ce qui se passe en réalité. Les arrêts de 2-3 secondes se font en 5-6, donc tu perds pas 25 secondes si un problème, là, ça reste logique. Madame Holtz m'a demandé de réactiver le moteur parce que elle a du carburant en trop. Donc c'est bien, c'est que si tu passes à côté de certains éléments en voulant gérer tes deux pilotes, il te rappelle ce que tu devrais faire pour t'en sortir, ce qui est pas mal. Enfin, il était pas mal Chapman la troisième du coup. Alors, de mon côté, troisième, mais il vient de stopper. Ouais. Il sera 13e en sortie de stand. Mais il repart en soft. Donc, il ira peut-être au bout. Je suis pas sûr que les autres puissent finir en soft, alors que lui, il devrait pouvoir. Il y en a qui sont hard, mais ils sont au bout. Hein. Tous ceux qui sont hard et qui sont partis en hard, là, ils sont. Voilà. Surtout, ce qui se passe avec Chapman, c'est que la carto est à fond. Là, il lui reste 4 tours d'essence. Alors, question bête, tu me parlais tout à l'heure du règlement, mais est-ce que l'obligation de chausser 2 trains de pneus différents, comme le veut la F1, est d'obligation, ou tu peux mettre ce que tu veux en stratégie ? Il n'y a pas de... D'accord. C'est vrai que dans le peloton, il y a quelques trajectoires un peu hasardeuses, mais ça fait un peu micro-machine, mais c'est pas choquant non plus, les trajectoires. C'est pas irréaliste au possible. J'avoue que dépasser à 3 de front dans l'herbe, là, des fois, c'est un peu, un peu limite, mais ça va encore. Chapman qui va signer probablement le meilleur tour en course. Il est équipé pour. Ouais. Plus qu'il remontait 11e. Alors, elle me disait qu'elle avait plusieurs pièces qui tiraient la tronche, mais moi je trouve que ça va. On vérifie ça. C'est l'aileron arrière qui tire un peu la tête, mais à mon avis, elle va finir et aller au bout. Au bout, mon petit. Pas au bout, ma petite. Par contre, au niveau de l'essence, ça va être chaud. Et pour elle. Plus 1,50, il me reste 2 tours. Oh, 14-16, si ça va le faire, je vais la laisser comme ça, elle. J'ai assez d'essence en plus pour tenter une attaque, chef, qu'elle me dit. Alors qu'elle en a moins que son. Alors, est-ce qu'elle te donne parfois, est-ce qu'ils te donnent, tes pilotes, parfois de mauvaises informations, de mauvaises indications ? Peut-être aussi. Pas forcément suivre. C'est peut-être pas forcément aussi bon qu'on le voudrait, ouais.
Parce qu'un pilote, en te donnant une mauvaise information, pourrait nuire au résultat de ta course s'ils sont pas si bons que ça. Donc ça pourrait être une bonne chose. Alors, je pense que c'est Vexler qui va gagner cette course, parce que les autres, ils vont être obligés de s'arrêter. Et ils finissent sur les rotules. Alors, que je regarde dans le petit circuit en haut à droite. 6 et 7, ils sont là. Ah, je pense qu'ils peuvent bouffer deux places encore. Ah, ils fondent carrément sur le cinquième, là. On le voit à vue d'œil quand tu regardes le petit schéma en haut. On voit la différence de rythme, c'est clair. Clairement. Alors, ouais, ça tourne en 1.42. Chapman, il tourne en 1.38. Est-ce qu'on peut voir le meilleur tour en course totale? Est-ce que c'est affiché quelque part? Alors, depuis le début de l'épreuve. Question. Tac, je vais me. Data center. Hop là. Donc là, j'ai les arrêts. C'est bien, ça peut te permettre de faire une pause pour savoir où on en est au niveau des stratégies et calculer. C'est pas plus mal. Le life timing. Life timing avec les écarts. Alors, le best lap, c'est pas classé par meilleur tour. Pour l'instant, je vois une 37.7 pour Vexler. Ça a l'air d'être ça, oui. Ouais. C'est une 37.7. Bon, de toute façon, nous, quand c'est pas dans l'ordre, on a l'habitude. Ah bah non, justement. C'est Vasquez le plus rapide, une 37.732. Ouais. Exact. Mais il vient de rentrer, il était en tête il y a quelques tours, chez moi. Et North qui va rentrer au box. North et Vasquez, ils viennent de sortir du box parce qu'ils ont des pneus intermédiaires qui sont neufs. Enfin, des médiums neufs. Des médiums. Un petit peu, ça on s'en fiche du classement en fait. Position tracker, ça c'est toujours très rigolo. Hop là. Regardez-moi ce bazar, c'est pas possible. Rappelez-vous F1 Challenge hein, sur PC, vous aviez les télémétries complètes qui étaient sorties à l'époque. Chez nous, c'est comme sur le téléphone, mais en amélioré et en beaucoup plus détaillé, en beaucoup plus profond, effectivement. C'est ce qu'on avait déjà dit au début. Et c'est tout à fait ça, c'est la version adulte du téléphone. Est-ce que d'ailleurs le fait de sortir le jeu sur PC va faire aussi améliorer l'appli téléphone ou elle est en stade terminé? Je pense pas qu'elle va bouger. Hein. Ça fait deux ans qu'elle est sortie. Je pense pas qu'elle va bouger. J'ai plein d'avertissements, ça commence à m'inquiéter, chef. Mais non, t'inquiète, roule. Alors, quoi, deux tours à tout casser. Ouais. Le troisième est bouffé, ça y est, c'est un podium au moins. Mm-hmm. Ça me paraît bien. Et alors aussi un détail, parce que sur le délai du live, j'ai quand même encore tes résultats qui sont là, le tableau que tu as fait tout à l'heure du live timing. Ouais. Il n'y a pas une équipe où il y a un pilote premier et un pilote dernier. Ça se tient aussi entre équipes. Les deux pilotes d'une même équipe sont assez proches. Ils sont assez homogènes, oui. Voilà, ça reste quand même. Voilà, vous n'allez pas avoir d'un côté une voiture avec Lewis Hamilton et un Maldonado dans la même équipe, pour parler de quelque chose qui parle à tout le monde, justement, un bon exemple. Ça se tient aussi, voilà, donc. Non, c'est bien. Hop, plus je lui augmente un petit peu sa carte au moteur pour qu'il consomme plus et qu'il assure sa troisième place, parce qu'au niveau du pneu, par contre, il est moins bien que le pilote qui est derrière lui, que Lipponen. Est-ce que les deux peuvent aller chercher le top 5? Pour l'instant, c'est le cas. 3 et 5, c'est pas mal. Ouais, ouais. Il y en a qui sont au bout de leur soft, mais il n'y aura plus assez, non. Je pense que. Zéro tour de fuel, ça va être dur. C'est bon, c'est le dernier tour là. Il passe la ligne maintenant. Ah, la belle époque du turbo où on finissait en poussant les voitures. Ça y est, il a fini. C'est bon, 3ème place. Holz, 5ème, parfait. Accélérons tout ça pour que ce petit monde rentre au paddock. C'est pas trop mal, en gérant pas finement, tu vois, bon. Parce qu'après, tu as des niveaux de difficulté justement dans la gestion, c'est un niveau fixe. Le niveau de difficulté, c'est représenté en tout cas en carrière par les trois championnats que tu dois avoir. D'accord, il n'y a pas d'objectifs qui sont plus compliqués ou plus stricts à. Bah, c'est toi qui fixes tes objectifs, tu vois, avec les sponsors. Mais justement, est-ce que les objectifs que te. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé, que les objectifs que t'imposent certains sponsors sont plus stricts ou plus compliqués? Est-ce que tu peux changer ça selon un niveau de difficulté ou c'est juste toi qui décides justement avec quel sponsor tu travailles, donc tu t'imposes ta difficulté par les contrats que tu acceptes en fait? Pour le moment, de ce que j'en ai vu, c'est plutôt la difficulté imposée par les contrats que tu acceptes. Mais après. Si c'est comme sur l'appli téléphonique, quand tu changes de catégorie, c'est beaucoup plus difficile d'être compétitif parce que il faut que tu. Par exemple, si tu es le meilleur de. On va aller sur le menu principal. Si tu es le meilleur du championnat Euro, tu vas être probablement dans le dernier quart ou dans les derniers du championnat suivant. Jusqu'à ce que tu puisses. Si tu passes de Euro en Super Cup, jusqu'à ce que tu puisses améliorer suffisamment ta voiture, tes infrastructures, tes pilotes et tes mécanos, etc., pour être compétitif dans la coupe suivante, tu vois.
Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que tu parcours un championnat Euro ou Asia, et aux trois quarts du championnat, une équipe de World te dit, écoute, on trouve que tu fais un super boulot, ils viennent te débaucher finalement. Ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant d'essayer de pouvoir arriver dans une équipe déjà en place, À dans un gérer ta championnat plus carrière à toi, oui. important, voilà, et te dire, on m'impose des pilotes, on m'impose des mécanos, etc., et un objectif pour finir la saison. Mais Un genre de mode scénario, quoi. ça, je pense que c'est un petit peu ce à quoi va servir le mode Des challenge. challenges, voilà. Voilà. Ouais, je pensais à ça aussi. Take up a new challenge avec des restrictions ou des obligations pour certaines choses. Alors voilà, tes pilotes sont 5 et 7, il y en a un qui doit finir sur le podium à la fin de la saison, au général. Enfin, Ouais. ce genre de choses, quoi, qui est plutôt intéressant pour découvrir aussi certaines, je pense, mécaniques du jeu auxquelles tu n'aurais pas Il y a forcément Maxime Monet qui pensé. dit je jouais la version téléphone au Mans dans les tribunes entre chaque séance. Bah, t'imagines, ce serait démentiel que tu puisses te refaire la Mais tu course. le connais, Maxime, Mais oui, je sais, on on s'est l'a croisé au Mans. rencontré à la fin du moment, et c'est Bah ouais. effectivement. Et ben voilà. Et ben écoute, je comptais en faire 1 heure. On voulait s'arrêter presque à 1 heure et ça y est, ça fait 2h08 de live. C'est une bien belle découverte, sincèrement. Et je dis pas ça pour refaire plaisir, hein, parce que si ça avait été Non, mais je savais que ça te plairait en fait. horrible, je te l'aurais dit, c'est atroce. Hein, C'est pour ça que je te l'ai proposé. Je savais que ça te plairait. Et puis je pense que ça va plaire à la majeure partie des fans de voitures. Bah je verrai si on peut récupérer ce live d'une manière ou d'une autre et le proposer de mon côté aussi. Je sais Ah bah pas si. je peux le récupérer moi, le télécharger, puis te le passer, hein, il n'y a aucun souci. Ouais, bah si pas, moi je peux. Je sais pas, enfin on s'arrangera en background, évidemment. On va pas vous embêter avec ça. Non, il n'y a aucun Mais souci. non, mais merci pour l'invitation, mon cher Dopamine. C'était vraiment une super découverte, et je pense que je n'en ferai pas une série sur mes propres chaînes et réseaux, mais je ferai tout au moins une découverte pour expliquer un petit peu comment ça se passe quand ça sortira. Maxime, du coup l'an prochain je prendrai l'ordi portable avec une batterie de Avec une jeu. bonne batterie, mais je vais dire. Ou un vélo, tu pédales, hein, mon cher Ouais. Maxime. On sait que tu as des mollets absolument formidables. Pour... Oui, bah de toute façon au moins il faut des mollets formidables. Oh oui, et de la patience. Voilà. Et bah écoutez messieurs, merci beaucoup et dames, peut-être que des dames Alors, sont passées j'allais aussi. dire, Hein. messieurs, je ne suis pas si large que ça. Je te remercie. Monsieur suffira. Mais non, bah, je parle aux gens du chat évidemment. Évidemment, évidemment. Messieurs et monsieur, ben merci d'être passé à ceux qui sont sur le chat. Merci à toi, Maxou, Merci pour l'invitation. d'être passé et découvrir ça, et puis de pouvoir commenter, poser tes questions, et puis appréhender ce jeu avec moi. Et puis bah à très bientôt hein, sur la chaîne de toute façon de Maxime, ça vous connaissez l'adresse. Et puis ici, de temps en temps, on parlera de voiture. Je parle de beaucoup d'autres choses, mais là en l'occurrence, on pourra parler de temps en temps de voiture. Je pense que je referai peut-être un petit truc sur Motorsport Manager s'il évolue, ou juste pour parler des petites évolutions de cette version Alpha. Normalement, ça sort aux alentours de la fin d'année. Voilà. Deux petites choses avant, si tu permets. La première chose, c'est que vous pouvez retrouver la petite vidéo découverte de 30 minutes qu'avait fait Dopamine sur sa chaîne sur le blog The Racing Line. Ça, vous pouvez découvrir sa preview ou sur sa chaîne. Et si vous regardez cette VOD, je ne sais pas, mais si vous êtes sur ma chaîne YouTube à moi, Maxwell Pilote, dans la description, vous retrouverez tous les liens pour découvrir la chaîne Parallax de notre ami Dopamine, qui s'y connaît aussi en voiture un petit peu. Hein. Tu connais deux, trois trucs hein, quand même. Voilà. Donc ça vaut la peine d'aller voir ce qu'il fait. Merci à vous, merci à tous. Allez, salut. Et bonne soirée, salut!